7 février 2024, date butoir de la vie nationale et qui a pile enjeu sous lui. Donc, je dis, on n'a pas le fond parcours sous date ça, on n'a pas le garder dimension historique, on n'a pas le garder dimension mythique, li, et puis dimension politique, li, et puis pour ça tout enjeu, ça a sous date ça. On n'a pas le parler avec deux invités nous, et enjeu qui gagne sous date ça, et puis. Nous pas trop détaché des actualités à comme nous connaissons allié. Donc si Ariel Henry doit rester dans tête pouvoir sous qui base logique, qui théorie qui a joué en faveur qui pour permettre lui continuer dans tête l'état ici là nous connaît que plusieurs manifestations déjà a fait pour demander départ et Ariel Henry n'a pas laissé scéner dimension mythique historique date ça 7 février pour garder importance li pour le gagner sous la vie nationale là avec deux invités nous qui déjà en studio avec nous n'a pas espace c'est une émission produite par Francis Show et puis qui présentée par Wilkins de Villas. Nous remercions tous les médias partenaires nous qui différentes plateformes qui déjà a retransmettre sur ça. Nous dis encore bonjour. Bonjour maître Fresnel Jean. Bonjour, De Villas, au président De Villas. Bonjour, Franz, au monde. Et je salue spécialement et Madame De Villas qui fait nous honneur d'assister nous en studio. Je vais présenter salutations à mon fils et mon confrère, maître Andalas. Et à toutes les internautes qui ont suivi l'émission et matin. Donc, ma propre maître Fresnel Jean, aussi avocat dans le barreau pour le PA, aussi professeur de carrière et puis aussi travailleur social. N'a pas eu chance pour nous lire l'opinion, pour partager avec vous, prendre vie sur ça, dans la vie, je ne veux dire, dimension historique, mythique et actuelle crise que nous avons là-dedans, surtout la date. Du 7 février 2020. Maître Andalas, bonjour, bienvenue dans l'espace. Bonjour, De Villas, bonjour, Franz, et c'est un plaisir. Je salue Maître Fresnel Jean, qui est mon papa, mon parrain. Donc, c'est très surprenant, vous, De Villas, vous ne connaissez pas, mais c'était pareil. Alors, c'était pareil de ma promotion. Ah, ok. La promotion géniale du FDG. Et je salue présence, c'est Mario Valmé, je salue présence, c'est Marc Hila. Et moi, très surpris, je suis un bel studio. Donc, moi, je félicite France, puisque je connais une idée, la paix nourrie depuis des années, et elle est toujours partagée, vos projets avec moi. Donc, je félicite pour ça, et je félicite tout De Villas qui vient collaborer avec lui, avec l'émission Espace, que je pense c'est un espace qui doit être très utile à débattre. Donc, c'est bien, c'est objectif. Là, je me rappelle, Andalas Mathieu-Lys, lui-même, c'est professeur de sciences sociales, alors ici de l'école normale et supérieure. Donc, et puis, il est également avocat au barreau de Port-de-Paix. Donc, nous sommes d'accord, son bel panel, le matin, pour une scène de conjoncture qui nous est là dans la journée, jeudi, à pas oublier. Nous, en prenant le 7 février 2024, quelques heures seulement, nous séparons de cette date. Donc, on garde. Premièrement, il était difficile de parler à Candelas pour commencer l'émission par vraie question. Qui côté de commencer? Est-ce que de commencer par Ariel ou bien est-ce que. Mais on essaie de regarder, mes gens, est-ce que 7 février, chaque fois que pour arriver, il fait rêver dans le pays? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Bon, peut-être oui et peut-être non. Je comprends que pas gagné on date qui historique sans que pas gagné événement et 7 février date c'est on dit son accident d'histoire un accident en ce sens que le départ de Jean-Claude Duvalier était imminent et était capable fait avant le 7 février par exemple le 31 janvier
et qui a créé un faux départ. Mm-hmm. Un faux départ de Jean-Claude Duvalier. Et Jean-Claude a fait semblant à parler. Et puis le peuple a pris la rue. Et puis monsieur dit, il arrête qu'on qu'est macaque. Pas besoin de tout qui s'est passé, qui s'est produit, qu'on a tout pour ne pas. Mais, nous avons vu ses yeux, mobilisation reprend. Et il faut rendre quand même un certain hommage à Jean-Claude Duvalier. Les messieurs apprennent que sans comment s'écouler. Notamment, trois jeunes écoliers de Gonaïves. Je dis, il n'a pas quitté sans Salmain. Il est parti volontairement. Volontairement, c'est M. Conduit Machini qui allait à l'aéroport et M. recevoir le salut présidentiel en vain de monter avion. Donc c'est le président qui est parti volontairement. Et parce que le 7 février, bon, le peuple a pris la rue, le peuple en liasse. Et ces moments tout que le peuple a, ben, je ne vais pas y parler, vous connaissez nous autres Haïtiens, nous gagnons un petit mani et grand événement, je ne vais pas parler d'une seconde indépendance. Voilà. Même Jean, le président Vincent aussi, après, ça me t'a dit la désoccupation du territoire par les Yankees, les Américains, monsieur, c'était un avocat, un brillant avocat et verbeux, qui aime parler go français. Monsieur proclamé la seconde indépendance aussi. Chaque fois, événement ça vous paraît, et nous sommes face à une répétition de l'histoire. Voilà. C'est un nouveau départ, effectivement, pour le peuple haïtien qui était dans la dictature. Tout le monde saute dehors, la rue, tout le côté passé dans tout le pays, après la rue à propre, mieux nettoyé, au balai. Après 7. Oui, et puis le drapeau noir et rouge censé descendre tout. Mm-hmm. Okay. Donc, événement qui est porté historique, mais qui est porté mystique tout. Parce que la couleur du drapeau d'un pays, c'est bon bagage qui s'aime. On va y revenir okay. À cette dimension. Mais Maître Ndalas, 7 février 86. Ou te ti mon accord et fait ça, donc qui sont songés dans le souvenir d'enfance et par rapport à ce que tu comprends, ils ont été mon, ils sont venus apprendre, qui différent ce fait. Bon, pour me dériver cerné 7 février, je suis obligé à un témoignage et puis à lire. Parce que il y a un problème que nous avons actuellement dans le pays, nous avons un problème de mémoire. Nous avons un jeune qui parle du tout. Il n'y a pas de ça qui a passé. Et à un certain moment même, gagne des réponses qui très vulgaires que on baille le ou expliquer certains événements yo dit ah est-ce que t'es là bon c'est vulgaire c'est de la banalité grave donc pas besoin t'es là pour me situer événement avec vous alors 7 février lui-même c'est son rupture que lié c'est ça qui fait que lui paraît comme tu l'as dit comme une date mythique son rupture que ou sorti d'une longue nuit dictatoriale, si c'est de cauchemar traumatisant également. Ça veut dire c'est pas une dictature comme si comme ça. C'était une dictature féroce, sanguinaire, et qui gont côté le sorti tout parce que 50% monde qui t'a fait 7 février, yo, yo t'a fait 57 tout. Ça veut dire yo t'a participé, soit yo t'a dans camp de joie ou bien yo t'a dans camp du Valier. Par exemple, Leslie Maniga. Par exemple, c'est dans le camp du Valier, il était dans le camp avec. Oui, il était dans le camp avec Duvalier. Il parle de monde qui prend le fait 7 février 86 tout. Même l'été en exil, ça veut dire qu'il fait une contribution pas yo. Gérard-Pierre Charles, par exemple, c'est dans le camp du Valier. Et qui ça fait moun ça tout est dans le camp du Valier dans l'élection 57 là, il va être dans le camp des joies. C'est parce que Duvalier, gon côté le sorti, qui s'est produit révolution 1946 là, qui gagnait, qui t'a prôné. Yon bagay, yon ensemble de revendications que monsieur Sayo, le yon vin jeune garçon, yon gen a yon qui était dans philo, gen a yon qui était déjà entré dans l'université en Europe, etc. Et yon vite comprendre que côté Duvalier sorti en dans révolution 46 là, maintenant l'état supposé porter changement véritable que pays a attendant.
Par exemple, il y en a qui sorti dans la révolution dans 46 ça et estimé. Estimé ses produits 46 liés et toute réalisation estimée sorti dans cahier de revendication, cahier de charge révolution 46. Et c'est ça qui fait qu'on série de monde qui était in dans Duvalier. C'est pas parce que yo t'ai estimé Duvalier t'ai gagné suffisamment d'expérience et de formation académique solide pour te mener pays à bon port, non. Mais par contre, il était sorti yon côté en dans une mouvance revendicative et bien yo t'ai retrait quoi que Duvalier t'a capable de faire mieux. Et voilà de 57 alors, à 60 61. Louis Desjoie à l'époque. Oui, Louis Desjoie, c'était alors c'est pas Louis Desjoie seulement enfin, c'était principal concurrent. Oui. Et de 57 à 61, le Duvalier mandat a fini en 61 et Duvalier pas décidé organiser élection pour quitter le pouvoir là et lui décidé mettre tête li à vie. Et l'écraser la chambre, l'écraser le Sénat de la République qui c'est une institution fondatrice de l'État, qui était seulement la chambre des députés et qui composait exclusivement des duvaliéristes, donc sans discussion, sans débat. OK, 64, il pourra changer et couleur de drapeau, donc nous passer de bleu et rouge à noir et rouge, il changer constitution en tout, évidemment il établit la dictature féroce sanguinaire et qui pral mener Maniga en exil, Gérard Pierre Charles, des hommes comme des Ronceret, tout le monde sait qu'il y a des grosses difficultés, il y a des théodores pour fonctionner dans le pays. Donc, on va admettre que tu as une belle rupture. Et évidemment. À partir évidemment. De, donc, l'importance symbolique date 7 février pour même l'irréel. L'irréel, parce que nous formaliser, alors démocratie, 86 là, nous avons une tentative de vie démocratique déjà dans le pays avant 86. Mais par contre, et la chute d'estimé et l'arrivée de Magloire n'a pas fait continuité. Et après Magloire, c'est pratiquement une période d'instabilité jusqu'à 22 septembre 57, il vient d'organiser l'élection que Duvalier vient président. Et Duvalier va installer la dictature. Maintenant, nous avons perdu la pratique démocratique là. Et il vient nous reprendre en 86. Le fait qu'il vient nous reprendre en 86, après 29 ans de règne, maintenant, chaque 7 février, même le c'est pas tard, soit revendication factuelle, ou bien événementielle, ou bien tu as souhaité tel président aller, ou demande au fini, ou bien accord fini, etc. Mais tu as toujours gagné une sensation. Parce que Bette Fresnel, j'ai un exemple qui était jeune petit garçon, de la vie. Des jeunes garçons. Qui t'a vivre 7 février, lui-même, qui t'a vivre moment 7 février, c'est normal chaque 7 février pour qu'elle réfléchisse sous une date et charnière dans l'histoire nationale. Donc, maintenant, 7 février, on va parler de ton date, tant que toute l'autre date, on va le consacrer là avec la Constitution 87 là, qui fait qu'il vient une valeur légitime même. Dans le sens que le président prédécesseur dans la date ça, il y a un symbole qui est elle dans toute date ça. Si, donc, si. Donc, ça veut dire, il n'est pas seulement historique, il est légitime toute date là, en quelque sorte. Parce que, il y a toute bataille, même bataille légale, le 7 février, toujours dans la discussion. Si, si. Chaque 7 février qui a privé, il y a quelque chose. D'autres, et nos constitutionnalistes, et fait de date ça on date très 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 symbolique dans la vie du peuple là. Parce que le président parle petit serment et le 7 février or, à chaque fois 7 février pas arrivé surtout et dans fait mandat président ou attendre à des turbulences. Ok, dans le pays, c'est comme ça que tu vois que 7 février 2021, on s'attendait au départ du président Jovenel. Malheureusement, monsieur censé violer les principaux, monsieur était. Donc, on était censé faire un grand mouvement. Et avec docteur Ariel. Où est-ce qu'il a passé jeudi aujourd'hui? Yeah, et à quoi même qu'il fait, il a annoncé son départ. Voilà, n'a pas le venir, c'est pour ça nous là pour nous éclaircir. Mais pour planifier, maître Dallas,
selon vous, qui est-ce que tu es constitutionnel ici? Léo mette 7 février en dans constitution qui peut avoir une autre valeur. Mm-hmm. Pas oublier. Ce n'est pas 1er janvier, mais c'est 7 février. Voilà, voilà. Ça, on doit connaître de 61 membres qui étaient formés à l'Assemblée constituante là. C'est 61 monde qui t'ont participé activement pour renverser Duvalier et tout. OK. Vous comprenez? Mm-hmm. Cela veut dire yo imprégné, yo yo fait et yo fait le 7 février a une date extraordinaire, une date historique. Mais yon nan moun qui pral aider nous kembe 7 février a, veut dire à côté de constitution qui pral fait que 7 février a comme date pour président, la date de rentrée en fonction du président. Mm-hmm. Cet homme s'appelle Leslie Maniga. Qui ça? Qui ça me veut dire? Le élection 29 novembre 87 yo crasé. Maintenant, M. Djoudjou a rappelé li que gagné 80% dans candidat qui pas voulu aller dans deuxième élection CNG a organisé ya. Yo pas voulu. C'est Leslie Maniga, c'est Hubert de Ronceret, c'est Gérard Philippe Auguste. Jean-Diagène est allé dans élection ça tout. Maintenant, c'est quatre monsieur Sayo. Oui, évidemment. Pour quel niveau, à quel niveau? À la présidence. À la présidence. Mm-hmm. Maintenant, c'est quatre candidats Sayo qui pral fait que élection 18 janvier pral fait et 7 février pral gagner un président qui prêtait serment pour la première fois sous l'empire de la Constitution de 1987. Mm-hmm. Et qui pral consacrer date 7 février à comme date historique, non seulement inconstitutionnelle, date rentrée en fonction du président et date sortie le tout, mm-hmm. mais li respecter. Donc on va dire un bagage là. Est-ce que nous connaissons tout président qui prêtait serment dans pays là de après 7 février 88, est tout inconstitutionnel? Pour qui ça? C'est parce que Constitution 87 là te dit tout après 7 février 88, li clair dans la constitution, il précise la date là, oui. Il dit après 7 février 88, tout président qui pral gagner pour prêter serment sous empire constitution ça, c'est conseil électoral permanent qui pour faire élection. Il dit seul monde qui prêter serment constitutionnellement, qui sorti de qui gon certificat dans mail, qui signe par un conseil électoral provisoire, c'est Maniga. Et après ça, pas ta supposé gagner conseil électoral provisoire encore, tout ta supposé permanent. Mais j'en semble au partager à vu ça, moi semble avoir fait signe comme pour acquiescer comme quand toutes les bon, Jean-Bertrand Aristide tout. Mais là ça c'est rivé mais moi Liba et président Maniga et on le mérité. Mérité. On le mérité mais et ma preuve est maintenant que à l'époque mon acteur était dans PNDPH avec DLP, chef DLP. Oui, mais... Maniga était avec nous dans le comité d'entente démocratique après le massacre de Ariel Vaillant. Mm-hmm. OK? L'enquête du comité d'entente démocratique des joueurs et Goubio et tout. Mais... Monsieur Maniga, qui est un stratège politique, de même que Hubert de Ronceret, donc Hubert de Ronceret était du côté de l'armée, c'est à Hubert de Ronceret que j'étais pour mettre la présidence. Mais j'ai vu manquer un quorum pour les élections, et puis j'ai fait appel à président Maniga, qui était gagné, et monsieur. Démocrate d'Amérique latine avec lui. Mm-hmm. OK? Oh, l'arrivée dans la compétition de. C'est IDC, l'International de la démocratie mm-hmm. chrétienne. Manigavin Baye, élection, un peu de charme. Mm-hmm. Parce que l'élection était bonne, mais là, près de 80%, mais on m'a dit 95%. Mm-hmm. 95%, les élections étaient boycottées. Hubert de Ronceret était préparé un costume pour les prêter serment comme président, mais. Un truc pareil que les Simaniga. Mmh. Ouais? Oui. Parce que c'était Hubert de Ronceret était président. Alors. La communauté internationale ne doit pas accepter. Okay? Mais les Simaniga gagnaient et de grands amis
comme donc surtout donc, en Europe surtout dans l'Amérique latine qui appuie le Carlos Santos Pérez, le président du Venezuela. Voilà. Donc voilà pourquoi les messieurs l'armée qui besoin sortir non piège dans situation très difficile. Renfermé parce que imaginez. Que préférez donc les Slimani. Donc les Slimani c'était un choix de l'armée. Le choix de l'armée pour aider ou pour sortir dans la situation, mais je ne connais pas qui est-ce qu'elle est. Donc, à l'époque, c'est pour me dire que tu as une haine viscérale contre Simanga qui, entre guillemets, t'a semblé trahir nous. T'a semblé trahir nous. Mm-hmm. Mais le Simanga, par contre, si tu es d'accord avec moi, c'est un ouverturien. En accédant au pouvoir, je dis clairement, on risque calculé. Monsieur Conan, qui ça l'entrée? Mais le risque est calculé. Et à l'époque, qui ça risque de représenter? Qui ça? Qui ça risque pour lui-même de représenter? Même l'amour tout. Parce que le Simaniga, porteur de revendications, porteur de changement, ok, il a une conviction qu'il n'est pas capable de trahir. On est l'armée au fond du président. L'armée prend pour une marionnette. On lui-même, il connaît pas marionnette. Donc c'est un risque calculé. Yeah. Okay. Oh, et en ce sens, c'est... M'appeler, mais pour l'histoire, peut-être mettre la main contre ça. Nous avons une réunion et BIP à l'époque. Caplim, Adon Antonin, DLP, Bélisère. Mais Bélisère, c'est condisciple président de Simanga. Un ami. Ok, président Belize porteur du nouvel banou, il dit président Maniga dit arrêtez-nous pour refus de prêter assistance à personne en danger. C'est un mot de passe, ok? Oui. Pour refus de prêter assistance en danger. Donc nous comprenons qu'on y a ça il veut dire nous il en difficulté, faut nous collaborer avec le gouvernement avec. Ça t'est à l'étude, ma continuité comme ça, ça t'est à l'étude lorsque une semaine plus tard, il fait coup d'état. Maniga connaît qui s'est tenté. Maniga te connaît. Mais ça va le passer. On a fait un peu d'histoire, je veux dire. Ça va le passer. Nous-mêmes qui étions gagnés contre le président Maniga qui entre guillemets, trahit nous. Mais 4 mois de présidence, mais pas qu'il a changé dans le pays. 4 mois de. Et vous parlez qu'après le coup d'état, il va faire la chasse et derrière monsieur Erden Pichot. Pour quelle raison? Nous avons un capitaine de l'armée. Nous avons une relation avec à l'époque. Monsieur confiez nous que il matériellement impossible j'en paye à pour Maniga débloquer. Or si Maniga débloqué, Maniga a un programme. Et toute arrestation à faire, c'est pour jeune monsieur, jeune, le programme de Maniga qui a débloqué le pays après 86. Alors, c'est préoccupation, ça, qui côté est-elle sorti? Dans l'armée. Ok. Dans l'armée, on dit que Maniga porteur de programme qui a changé le pays à tout bon vrai. Ok. Et ça fait un bon. C'est pas Bayotiga avait ouvert, non? C'est le programme du RDNP, de Maniga, il y a besoin qui fait que le pays a changé. Donc, c'est ça qui te cause, donc, arrestation que tu as fait contre M. RDNPO. Donc, ça veut dire, l'armée à l'époque, changement qui était annoncé sous gouvernement Manigayo, donc, c'était. Il n'y a pas trouvé de bonheur quand même. L'armée était au service des Américains. C'est ça, les Américains voulaient faire pour faire. Ou après, depuis 86, pays a bloqué. Et après, je ne sais pas ce qui a passé. Donc. C'est une politique internationale. C'est une politique de la communauté internationale qui bloque le pays. Et quel que soit le monde qui vient pour changer, il n'y a pas marqué où. Wow. Et à l'époque, c'est pour me dire que, et encore une gloire, et même pour Suma, à Leslie Maniga, et Leslie Maniga pouvait résister, oui. À qui? Face à l'armée, il était résisté contre le coup d'État. Il était Jean-Claude Paul, c'est ça fait, Jean-Claude Paul parle au billet abandonné, monsieur. Maniga n'a pas accepté que l'armée vénézuélienne vienne m'écouter, mais venait d'elle. Contrairement à d'autres chefs d'État. Venezuela, okay. Était prêt? Bien sûr que oui.
OK, vous êtes prêt pour aider Banga, Banga a refusé systématiquement. C'est de même aussi, après le coup d'État, demander monsieur pour retourner au pays et dans les fourgons d'expédition militaire. Il a refusé. Un, deux, demander monsieur pour mettre un bagou sur le pays. Monsieur dit, oh, moi même pour mettre un bagou sur le pays, vous me détruire. Vous pas le comprendre, ça a passé nous aujourd'hui. Donc on a détruit le pays, OK, à partir de un bagou qui n'est pas une arme politique, son arme économique qui est liée. OK. Donc là, accepter mettre un bagou sur le pays, c'est accepter, l'accepter pour nous détruire le pays. Voilà. Et c'est dans la situation ça nous vient aujourd'hui. La production nationale réduit à rien. Donc, on va regarder factuel là. Merci, Médjan, mais bon, quitte aux chances pour réagir parce que Médjan parle un peu. Non, ça va être. Ce que je voulais parler, c'est de faire une petite réaction sur les risques calculés, professeur Baniga. Donc, Médjan Baou, aspect l'armée, hein. Mais l'autre aspect, là, c'était la classe politique. À l'époque, c'était le secteur démocratique qui était relève. Secteur démocratique. Secteur oui, le conseil de relais. Maintenant, c'était le secteur démocratique qui, en face Maniga, tout le fait que il acceptait d'aller dans l'élection du 8 janvier. Maintenant, il y a un autre acteur qui c'est l'ambassade américaine, la communauté internationale, et dirigé par l'ambassade américaine avec gros réticence de l'ambassade de France à l'époque, puisque Maniga est un produit de la France et que le gouvernement français à l'époque n'a aucun problème avec la présidence Maniga. Mais le gouvernement américain a estimé la gouvernance Maniga pendant 3-4 mois. Il a estimé que le modèle structure que M. voulait mettre dans le pays, M. souffert pays, tout bon. Par exemple, la mise à la retraite du général Henri Nanfi, c'est une bagaille qui peut faire que l'armée peut comprendre que Maniga voulait faire pays. Et depuis notre discours 7 février, Maniga a été le coup d'État. Là, il dit l'armée a dû rentrer dans la caserne et que. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Or, l'armée a lui-même, quel que soit le niveau, quel que soit la situation, il faut toujours comprendre, chaque nègre qui rentre dans l'armée, lui met ses jodial sorti comme cadet, lui met dans la tête que la présidente. Yeah, parce que le cycle du coup d'État, dans la tête, c'est qu'elle a dans la tête. 18 mai 1988, je veux dire, Maniga prend pouvoir 7 février 88. 18 mai, le colonel Jean-Claude Paul, que Maître Fessel Jean Sotité dans là, et que lui, pendant Maniga préparé pour aller à Kayer, lui poche beaucoup de président, il dit président, donc on ne peut pas aller à Kayer. Il dit ça fait ça. Il dit, je ne peux pas aller, je prêté, je suis venu parler parce que le général n'a pas aller. Il a décidé de ne pas aller à Kayer. On connaît, 18 mai, donc c'est une grosse célébration après le fait, pour la première fois presque, je l'ai dit, sous un pays constitution et avec un président élu, etc. Général a dit pas pour aller à Kaye. Donc ça c'est des bagages qui te montrent que l'armée a été exprimée en mécontentement par rapport à la gouvernance de Maniga, qui pas ton gouvernance crabe, c'est pas ton gouvernance exécrable, c'est ton gouvernance réelle. Donc nous capables de dire tout et m'a pas ajouté ça surtout sur question choix l'armée a. Les gens qui pas dit nous capables d'éterniser trop sur question Maniga, nous obligés d'éterniser sous lui parce que oui, non, qui est extrêmement important, c'est le démarrer 7 février à même. Parce que 7 février 86, là, c'était un départ. Mais 7 février 88, là, lui-même, c'est un autre départ, côté que constitution consacrée au nouveau président. Donc, le départ de la nouvelle indépendance. Évidemment. Maintenant, jusqu'au jeudi, président Maniga dit, moi, parce que le problème, c'est qu'il y a des relations privilégiées avec lui. Élection fait dimanche. Jusqu'au jeudi, je ne sais pas pourquoi qu'on est. Si c'est lui-même qui a besoin de bénédiction, la mer. C'est jeudi dans l'après-midi, il y recevra un coup de fil du général Regala qui dit que l'armée est de votre côté. Et automatiquement, à l'époque, l'armée a dit de bon côté. Maintenant, vous avez le pays. Et Maniga dit que le pas de choix pour le dire non. Parce que si vous dites non, vous n'êtes pas président. Mais comme étant donné la théorie de Machiavel, vous enseigne, tous les moyens sont bons pour aller, pour gagner le pouvoir, pour aller au pouvoir, mais il suffit que la légitimité soit là arrivée. Eh bien, Maniga cherche la légitimité à travers de bonnes actions, et malheureusement, malencontreusement, il a été trop vite en besoin. Et l'ambassade américaine est revenue à travers Général Avril, Maniga a renversé. Alors, c'est une bagaille que mon ne connaît pas, il y a toujours acculé.
général Lanfi dans coup d'état Maniga, coup d'état 88 là, 19 juin 88 là, c'est général Avril qui fait coup d'état. Il est encore vivant. Donc moi crois que moi avec nous faire échange sur ça, donc il explique les raisons qui fait que il était participé activement parce que c'est lui qui a arrêté général Lanfi, mais dans la caï Maniga, arrêté pour faire ici un coup d'état. Le président vénézuélien à l'époque, Jean-Marc Dieu saute du là. Donc Carlos Andrés Pérez, il est Maniga dans téléphone. Une semaine avant le coup d'État, parce que le ministre de la Défense à l'époque, William Regala, était déjà informé président que Avril a renversé. Il te promet, président, l'a réglé ça. Et président Kembe, le général Regala, il dit, on a réglé ça comment? Il dit, on a réglé ça. Et pourtant, on connaît on ministre de Défense, ministre de l'Intérieur et de la Défense, il connaît que grand élément, qui a dirigé le code, est pas encore important dans l'armée. C'est lui qui a planifié, c'est lui qui a conspiré contre le président de la République. Mm-hmm. Et ministre de la Défense, il a réglé ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le président dit non, je ne peux pas régler ça. Et régler ça, cela veut dire ce que cela veut dire. Le président vénézuélien, le professeur Maniga, dans le téléphone, qu'il dit m'a débarqué 4-9-16 pour. 4-9-16 là, qui équivaut à un porte-avions. Mm-hmm. Cela veut dire l'armée haïtienne n'a pas de capacité pour absorber fois l'armée vénézuélienne à l'époque, il veut dire t'a sécuriser Maniga pour que l'armée a pas traversé. Maniga t'a estimé que c'est pas sérieux en tant que nationaliste, en tant que patriote pour faire l'armée vénézuélienne venir attaquer l'armée haïtienne sous base que lui-même pour le quimbe pouvoir. L'elle pralé en fait pendant Maniga en exil, Maniga a été sollicité par l'international donc pour mettre un embargo sur le pays et pour revenir au pays donc avec des forces étrangères. Mm-hmm. Donc Maniga a refusé systématiquement. Mais je sens que dans la prise de parole, donc c'est des témoins de réalité à mettre face à gens vivent ça, peut-être nous avons plus l'espoir que le pays a pourra changer après ça et puis nous passer pas de descendre. Mais Jean, pour qui ça me sentit que un discours qui paraît un peu déresponsabilisant pour la médaille comme quoi bon super puissance qui cap jouer les codes qui fait que yo pas totalement responsable des actions que yo même y a posé. Pour que ça me sorti ça dans discours là. Bon, comprenez et américains yo débarqué dans pays en 1915. Yo dit à 1934 mais vous laissez et sur le terrain et ça nourrit des collabos. Yo quitté pion yo et souterrain pour même si yo pas là cap agir dans noyo c'est qu'on soit pas loin et tout est comment de l'armée c'est États-Unis décidé jusqu'à ce que l'armée a crasé. OK, donc problème qui va venir dans l'armée là et c'était vingon problème Jean-Claude Paul que américain était besoin et prend un pays pour extrader États-Unis d'Amérique. Tu as accusé monsieur dans fait drogue. Même cas où est Guy Philippe là. Le président Maniga monté. Qu'on est conviction nationaliste, on va mettre dans la saute palo là. Ça veut dire si nous accusons monsieur, bon ouais. Et puis il m'a jugé en Haïti. Jean-Claude Paul ne sera pas extradé. Donc, tout ça, l'enfi fait pour étirer. Jean-Claude Paul, président Maniga Kimbel. Voilà, donc, Vingelin là, et on choque avec les Américains. Donc, je ne veux pas sentir que nous lock sous Maniga. Sous Maniga et puis la mer. Mais son parti qui est particulièrement intéressé, si. Et je pense qu'il peut intéresser mon tout. Mais ça ne me comprend pas. Et c'est pour ça mener nous là pour nous expliquer mon yo. Pour qui ça blanc américain gagne la médaille dans men selon analyse pa nou yo, opinion pa nou yo. Pour qui ça en 2014 en 1994 qu'on y a là li pral d'accord démobiliser la mesa qui ses outils pal. Mon dieu. La mer censé vinn failli à philosophie à mission que États-Unis te confie. Ou que à plusieurs reprises c'est coup d'état qu'on a fait. OK? À plusieurs reprises, il prend le président Maniga, il prend le président Avril et Hébreu. Donc l'armée a vu une chance de désorganiser. Donc, il y a un non-respect de la hiérarchie dans l'armée.
et un simple sergent a arrêté, donc un colonel a fait mal, colonel a marché tout une rue. Ok, donc la mer est... Cordé Léopard avec Kazène de Saline a pas affronté. Voilà, donc il y a un choc entre les différentes unités. Oui, Cordé Léopard avec Avril. Ah, général Avril. Et puis Kazène de Saline. Ok, Kazène de Saline a résisté pour protéger Monsieur Rébio, voilà. Kualo, Biambi. Biambi. Ok, donc la mer s'est divisée en faction, gentil monsieur. Ça me dit entre guillemets gauchiste. Oui. Gauchiste. L'un parle de Léon Spoilo, colonel Rébi, Biambi. Donc c'est monsieur ça qui a fait coup d'état. 89 pour renverser avril. Renverser avril, il a arrêté avril. 100. Pour nous, quand on est côté ambassade américaine, qui contrôle l'armée, oui. Rébi a fait coup d'état sans pas informer l'ambassade américaine. Et coup d'état a échoué. Parce que, si monsieur ça m'a parlé là, c'est entre guillemets des gauchistes. Voilà. Qui ont faction gauchisante. Okay, non, à l'intérieur de l'armée. À l'intérieur de l'armée. Mm-hmm. Okay, donc, censé américain perdre contrôle. Voilà pourquoi M. Sayo Paye. C'est le même. Si les États-Unis ont fait prison, arrêtez. Mm-hmm. Donc, on va regarder une nouvelle transformation qui vient peut-être au sein de l'armée. Et l'armée qui forme expression. Donc, l'armée n'a pas joué le rôle. Les États-Unis n'ont pas le choix. Yeah. C'est écrasé. Et Jean-Bertrand Aristide, à l'époque, président, était rendu service là. Président Aristide, c'était un 20 juin ah. qui a tout accepté pour revenir au pays. J'ai fait tout ça. On ne va pas parler de ça. Et vous oui. parlez, tout ça, le patat de fait. J'ai accepté tout le bagage qu'il n'a pas accepter pour revenir seulement au pays. Mm-hmm. Et monsieur prend. Mais l'armée était également problématique. On a qui l'armée, était l'armée était problématique. Mm-hmm. Pour quelle raison? Parce que. Mission, c'était une mission problématique. C'est une mission pour servir les États-Unis d'Amérique. Tout gros officier New York passé, comme West Point, comme il y a, pas connu. Et l'Académie militaire des États-Unis d'Amérique, c'est là où formé. Mais il y a ça échappé à contrôle. Mm-hmm. Les rébus, par exemple, les rébus, là, c'est un révolutionnaire. Mm-hmm. Ok. Donc, il y a échappé dans le contrôle américain. Donc, l'Amérique. Censé diviser, américain pas que le choix qui retire raser la mer, il n'y a pas jeune 20 joueurs entre leurs mains et qui est M. Aristide qui accepte qu'il faut appeler Somac même qui dit c'est lui raser l'armée et il ne connaît que. Oui, c'est. Il a fait fermenter sous tête lui, ça même. Exactement. Donc vous ne pas comprendre que fondation l'État, fondation pays à même, c'est sous l'armée, c'est l'armée qui met le pays à. Ils sont des ayants droit. Actuellement, l'homme dit l'armée, c'est pas l'armée. Que nous disons, non, mais l'État d'Haïti créé avec l'armée, que l'armée indigène. Que nous disons, bon, pas que l'État sans l'armée, pas que l'État qui existait sans l'armée. Ok, c'est ça qui fait la force de l'État. Vous comprenez par exemple. Et surtout notre armée. Voilà. Vous comprenez l'armée haïtienne, c'est l'institution fondatrice de l'État d'Haïti. Lorsque le général Raoul Cédras était face à Martin Albrecht, si je me souviens. Mais oui, Martin Albrecht. Martin Albrecht frappait monsieur. Mais les malgré l'on est frappé, on doit frapper même sous des bons générales. C'est combien de millions de soldats américains qui gagnent lui. Donc la force, ouais. Donc même en diplomatie, oui. Ah, oui. Pour que le diplomatie soit la gagne valeur, pour que le diplomatie soit la gagne force, c'est suivant force l'armée pour gagner, oui. Puissance l'armée pour gagner. Puissance militaire, oui. Ok, qu'on y a-t-il la République dominicaine à fond bon petit intéressant avec nous. Pour quelle raison? Parce que le colonel Léopard à côté peut disparaître. Kazène de Saline qui combat la guérilla et disparaître. Et puis la République dominicaine a fait un intéressant faire. Bon, je vais arriver là, M. Jean, parce que c'est ça que nous venons parler, actualité. Mais bon, à plat l'intérêt, parce que, et sous ça, parce que nous n'avons pas pris une pause là, après nous finissons essayer de garder ça. Ce dernier aspect, nous n'avons pas regardé, sous question 7 février et une intimation ça. Donc, pour qui ça nous avons l'impression pour Mounio, toujours un problème avec 7 février. Dans le sens que, là, si il y a une élection qui est faite pour avoir un problème pour conjurer le temps constitutionnel, le temps électoral. On dirait que nous perdons dans le débat. Le débat, peut-être, nous avons carré avec artifice pour mettre une actualité, pour faire croire que effectivement c'est des bagages factuels. Pour qui ça nous perdons concernant la date là? Donc, on est obligé de garder au grand temps constitutionnel, au grand temps électoral. La raison, c'est que pourquoi on a un monde qui est un monde qui est la Kaili.
qui accepter d'entrer dans le cadre légal là. Ok, lorsque le président Jovenel prend décision pour renvoyer le Parlement sous prétexte que faut tant constitutionnel respecter, mais lui-même, tu faut respecter tout. Ok, si monsieur respecte là, tu as bon premier pas fait. Et premier pas que ça que tu as fait là, tout ça, tu as venu, respecté le tout. Mm-hmm. Ouais, par exemple, le président Préval monté 14 mai. Mm-hmm. Monsieur dit pas respecté le tout. C'est 14 mai que tu es du 300, une année, c'est 365 jours. Voilà. Or, si 5 ans, c'est 5 fois 365 pour lier. Mm-hmm. Ok. Donc, Préval pas respecté. Donc, et peuple là, censé accepter ça. Mm-hmm. Donc, alors, comment Préval, en fait, président Préval t'a fait. On t'a 14 000 quoi. Une possibilité pour la planète terrain, lui prêter serment en deux mandats. Non, pas même 14 000. Lui prêter serment en deux mandats. Et puis, là, le fini, en fait, là, le remettre échappe présidentiel là après mandat. Après le mandat. Qui ça que t'a fait, René Préval, que t'a fait? C'est un manieur d'homme. Profession avec une commande manie mon bien. Il y a compromis. Donc son manœuvrier intelligent ou là et puis qui des souches lavalassienne, li pas gagner des forces populaires réelles qu'a mobiliser à travers le pays contre lui. Et bien, li croise bras, il a distribué des ministères aux partis politiques et finalement m'a dit il réussit mandat. Mais quand elle a ce qu'on est que lui amuser, lui fait tout le temps. Vous connaissez que Préval n'est pas totalement haïtien. Préval, c'est un mulat. Ah bon? Oui, c'est même question. C'est une française. C'est papa qui était capitaine de l'armée d'Haïti. Donc, ouais, la gouvernance de Préval, pas un gouvernement haïtien. Comme si on est comme si accroché au pouvoir, cap bon menti. Ok. Donc Préval ou mettre venir pour tuer pour qu'il pas là pour qu'il encore. Donc voilà, chaque action pas avec mouvement qu'a fait pour c'est pas un homme comme Jovenel, je négocie avant, c'est tel ministre ouvert, tel barré et puis baroule. Tant constitutionnel. Calmez le jeu. Tant constitutionnel lui mettre Jean tout. Pas qu'arriver harmoniser avec temps électoral lui. Gain deux coups d'état qui responsable bagaille ça oui. Le coup d'état de Maniga, il est responsable parce que le où Maniga est obligé, en fait, t'es doué quitter pays là et en fait quitter pouvoir là 7 février 93, pas vrai? Oui, 7 février 93, ça fait le tap fait 5 ans au pouvoir. Maintenant, il quitte l'année 88 là même. Bon, donc on est toute 88 à 2010 à 90, lycée moment de turbulence et n'en fit reprendre avril Erta général Abraham Erta, etc. Et 16 décembre 90, pral gagne une élection qui pral organiser, qui plus ou moins démocratique, bon président que peuple a accepté, etc. Alors c'est plus ou moins démocratique là, peut-être que j'en gagne pas d'accord avec, on dit plus ou moins parce qu'il y a des problèmes partout. Il te charge des problèmes. Maintenant, 7 mois après, les États-Unis d'Amérique, en tant ni avec l'armée d'Haïti, ils ont renversé le président Aristide. Maintenant, le coup d'état d'Aristide l'est tout crasé tant constitutionnel que supposé respecter à. Pas venir pour nèg René Préval qui vient en fait le président Aristide retourner sur en exil, Jean de retourner tout jamais juste tout à l'heure avec un ensemble de monde qui pas d'accord. Et c'est pas des moindres, des monde qui étaient de poids lourd du mouvement de la grande mouvance lavalassienne comme notre prêtre qui était dans notre département Jean-Marie Vincent. Bon, des monde même qui dit c'est raison ça yo qui bon bref qui fait le monde. Bon, on pas rentrer dans bail ça yo c'est pour le reste. Mais par contre, nous connaît Jean-Marie t'est exprimé publiquement contre la présence des troupes américaines en Haïti depuis même yo annoncé yo dit président Aristide, c'est soit ou rester en exil net ou bien ou venir sans les forces étrangères. Maintenant, leur vient tomber dans René Préval qui sont anarchistes. Pas un temps constitutionnel qui a respecté encore. Et parce que c'est un nègre qui était là, non seulement ils sont anarchistes, mais ils ont une note la récité du président Jean-Bertrand Aristide et de la mouvance lavalassienne. Et c'est dans la récité de notre note là que nous parlons tomber dans la crise élection 21 mai 2000. Et crise élection 21 mai 2000, nous parlons
dans période triste dans l'histoire nationale et qui va basculer tout les idées revendicatrices, les idées révolutionnaires, les idées innovatrices de 86. Faut nous clair sous baï ça parce que à chaque moment dans nous arriver après 86 là pour nous faire des bagailles, pour nous respecter constant constitutionnel. Maintenant, il y a des événements qui passent. Et événements, ce n'est pas événements qui sortent de l'extérieur. C'est à l'interne même que nous faisons. Parce que nous avons quitté l'élection et 21 mai 2000 au maître de Dieu. La valeur, c'est quitter l'élection, ça vous fait libre, honnête, démocratique. Parce que tout le monde est ouais, capable de remporter la majorité à, et dans le Chambre et dans le Sénat. Tout le monde est ouais, tout, Aristide est capable de gagner une élection présidentielle sans pas besoin de bouer une boule. Il est capable de gagner. Mais par contre, il était allé trop vite en besogne, n'a éboué une, fait l'orbeille, etc. Et l'opposition d'en face, et l'international qui pas trop aimé président Aristide que ça, et il a sauté sous problème qui était gagné dans l'élection 21 mai 2000. Et là, nous entrons dans la crise qui peut le faire que le président Aristide n'a pas terminé le mandat. Donc, on l'a. Normalement, il était supposé terminer le mandat en 2006. Il va terminer le mandat en 2006. Bon. Et nous prenons tomber nous en transition. Et transition va durer 2 ans. Et transition, il pas remettre pouvoir dans tant qu'elle était supposé remettre le tout. Il était violé encore qui était déjà la tête. Il a été violé, oui. Parce que 7 février 2006, jour élection organisée, à ce jour-là, président Boniface avec Gérald Latote était supposé quitter le pouvoir là pour te battre une nouvelle équipe. Il y a le mois de mai. Et président Préval qui dit bon, moi-même, il n'y a pas de bambouel en février. C'est en mai ou te bamouel, moi m'a baillé en mois de mai. Et si président Préval baille, et si président Préval remet le pouvoir là, donc 7 février 2011, pas vrai? Si le 7 février 2011, donc nous t'es capable. Nous t'es capable, comme t'es dit ça, nous t'es capable de dire, aujourd'hui, le temps constitutionnel, nous avons commencé à harmoniser avec le temps électoral. Voilà. Et maintenant? Bon, j'ai un petit désaccord avec maintenant. Et c'est acte de vagabondage, ça. Même lorsque pas prêté serment le 7 février, mais la Constitution le dit clairement, quelle que soit la date contre en fonction, est censé commencer le 7 février. Ainsi donc, on parle Renaud Mazar. Matéli, en mai, mais 7 février l'année. Oui, il faut reconnaître ça à Michel Martelly. Mais par contre, c'est des grandes mobilisations. Des fois, c'est l'aller, pas la parler, non? On dit 5 ans. C'est une logique mathématique, on dit oui. C'est assez mathématiquement valable. C'est 5 fois 3, 65 du qui pour 5 ans. Mais la Constitution dit clairement qu'on est censé. Par exemple, si nous faisons des élections là, sous l'empire de la Constitution de 1987. Président Kanté là, il s'en sert depuis 2021. Comment? Il a depuis 2021. Constitutionnellement. D'après la Constitution. N'a pas le vini sous ça, Jean, merci en pile. N'a pas appelé, nous gagnons 2 invités. Nous gagnons Maître Frestel Jean, qui est avocat, et puis professeur, avocat dans le barreau de paix, et puis travailleur social, qui fait des expériences inouïes, qui a partagé avec nous. Donc, et puis nous gagnons Maître Andalas Mertulis, qui lui-même c'est professeur tout, et puis avocat dans le barreau de paix. N'a prend pause là pour nous tourner, n'a pas un coup de pause pour nous tourner avec Dalbagay, pas oublier pas gain bateau Haïti, pas rien, c'est celle Dalbagay shipping qui gagne. Donc n'a prend pause là et c'est une sponsor nous gagne jusqu'à présent, n'a venir tout à l'heure. Dalbagay Shipping, donc Dalbagay Shipping, donc si vous besoin envoyer marchandises en Haïti, donc la privée dans 4 jours en Haïti, et bien c'est contacter Dalbagay Shipping, donc c'est marchandises qui passent par avion, ok, donc vous voyez marchandises par avion, Dalbagay Shipping, numéro de téléphone là c'est 754 551 18
23 754 551 1823 et puis 689 278 0825. Donc si vous avez besoin de marchandises en Haïti, eh bien c'est contacter Dalbagay Shipping. N'importe où vous en Haïti, donc l'advenir par avion. Retourner pour dernière ligne droite émission ça, émission spéciale, émission espace avec Maître Fresnel Jean, avocat dans barreau Port de Paix, professeur de carrière émérite, très apprécié dans milieu. Nous gain Maître Dallas Mathulisto qui c'est professeur et de sciences sociales et puis avocat dans barreau Port de Paix. Avec yo n'a regardé ça caché derrière dimension historique, dimension mythique, dimension actuelle, date 7 février et 2024 là que nous pas l'aborder là. Donc dans contexte qui entoure date 7 février 2024 là, mais Jean, dis-nous pour qui ça pour nous pas négliger l'avènement de Guy Philippe. Bon, vous remarquez que on a vu une conjoncture qui est très très critique, très difficile, et que son peuple qui est censé vivre dans le désespoir, et avec la montée en puissance des gangsters, pas nous parler aux gangsters, gangsters. Et l'autre dit gangster, il ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui connaissent son bel bagaille. Oui. Mais l'autre dit gangster, quand c'est volé, c'est assassin. Ok. Et le peuple a une attente. Vous comprenez par exemple, et la population nord-ouest, une grande victime de conjoncture avec Thibois d'homme. Avec Quapéris, avec Canaan, pour entrer, pour approvisionner, par exemple, à Port-au-Prince. Vous comprenez la situation. Or, l'État, ça s'est vu impuissant. L'impuissance de l'État, pour la population, c'est Dr. Yel. C'est là où nous trouvons. Nous, hein. Ah bon? Comprenez. Nous avons un embryon de l'armée. Qui te résout le problème, non? Et puis, au mando, yo font budget, yo dou qui ça a besoin pour résoudre le problème, pour dans un, deux, trois mois. La communauté nationale refuse à ce que l'armée a armé. Ou pas le comprendre? Yo dit, nous pas rien doit l'armée. Erreur due à M. Aïcide. Ok? Nous ne pouvons pas l'armée. Pendant ce temps, il y a on l'armée vient résoudre le problème pour nous. Parce que nos forces de police pas de préparation pour battre avec bandits. Nous n'avons pas de formation ça. Donc peut-être on va venir soit là. On va venir Simo, on va venir Udmotu, qui gonti formation militaire. Ok. Mais des hommes de ce genre, c'est l'armée pour bailler avec hélicoptère pour la bombe sur. Pour caser, okay, c'est les États-Unis refusent ça. Quand groupe refusé systématiquement à ce que l'armée noire armée. Donc c'est tout ça, oui. Maintenant, Dallas pourrait monter depuis 1804 qu'une communauté internationale qui jurait la perte d'Haïti. Il y a trace que nous échouons. Non, mais présence Guy Philippe, c'est exactement c'est avec l'arrivée de Guy Philippe qu'on connaît qui une formation militaire qui était fait du 2004 tout. Mm-hmm. On espoir commencer à créer
la caille haïtien comme si Guy Philippe c'est un sauveur qui a vienne délivrer nous. Moi même m'a donc causé que le docteur Ariel que me connais qui a résolu le problème. Ah bon? Pas m'a bon matin non. Ariel qui a résolu. Bien sûr que oui. Ariel qui est-il? Ariel c'est un ancien communiste oui. Ariel c'est un ancien membre du Pont Noir oui. Ariel c'est un bataillon oui je vous dis. Ah bon? Oui, m'a bon matin non. Ariel qui a résolu le problème non. Mais mettre cap diriger pays a pas accepter solution. Il pas accepter solution. Donc Ariel c'est pourrir la situation. C'est ça oui, le reste de la communauté internationale, c'est laisser pourrir la situation. Mm-hmm. Ou pas au fin tout le monde pour parti pour nous quitter pays à bas. Donc ça veut dire mettre en Dallas ou quoi que Ariel qui a résolu ça. Mettre en Dallas pas qu'on est Ariel bien. Bon, moi-même ça c'est moi comme monsieur. Depuis que je me dis. Non, mais quand même, c'est un homme politique. Cyniquement, ah oui, ailleurs, c'est même doit y avoir ce problème. C'est pour une fille pour mettre en Dallas. Bon, moi-même, moi échangé, alors c'est pour la première fois, et depuis septembre 2021, que m'a parlé de Premier ministre Ariel Henry. Et je crois que moi accepté. Parler dans micro ou de Premier ministre Ariel Henry, c'est parce que dans 6 mois que je me suis fait en face du président Jovenel Moïse, c'est dans le micro que je me parle plus. Donc, l'ensemble de stations de radio Port-au-Prince qui est les moins au jour le jour, pour me prendre vue moins sur Ariel Henry, sur sa gestion et sur attitude moins tout. Moi, je n'ai toujours pas accepté de parler. De mettre nos zones d'observation. Mm-hmm. Et moi crois que et question posée maintenant il gagne directement pour à Andalas Martinez. Bah que c'est question qui gagne pour à émission avril. Non, c'est il gagne pour à émission parce que bonjour, c'est actualité. C'est actualité. Bonjour, sous point personnel moi même quitter dans ce qu'il dit. Non, non. Même Jean, c'est ça que fait que même Vinny sur Ariel, même Jean dit. Pas que tu m'as répondu. Non, parce que voulait répondre. Non, bah mais maman a dit pas quoi sortir parce que sortir pas vrai. Non, me voulait répondre. Et pas moi te poser une question. Mais Jean font en ouverture et puis me dit si c'est qu'on soit comprendre tout c'est ça me fait OK moi même voilà me dit que c'est parce que c'est des villas m'a répondu et m'a échangé avec des villas au cas remarquer que moi pas parler dans aucune station de radio etc. et me dit c'est pour la première fois que m'a cité non Premier ministre Ariel Henry non espace médiatique que à la minute le monde a regardé. Moi-même, ou à temps en temps, d'où à l'temps des émissions que moi-même avant de faire, ou à temps en temps, ma voix à l'temps de yo. C'est parce que je voulais tout le monde entendre qui ça me dit avant. Pour que je dis, le m'a dit, on bagaille pour moi ne pas dire moins incohérent dans la position, dans la pensée, dans la réflexion. Ariel Henry, son intellectuel, qui maîtrisait, on est capable de dire, les grands dossiers de l'État. Et qui gagne une formation politique qui connaît très bien qui ça doit faire, qui ça ne doit pas faire. Et avant, par exemple, on est dans le coup, tu es accepté pour une position de neutralité pendant Ariel Henry, Premier ministre, c'est parce que moi-même, j'aime à prendre chance à bailler la main avec un monde qui a gouverné le pays moins que me connais qui pas capable mais gombaye que me connais tout dans pays ça mais du saute fleuril c'est que la République d'Haïti et c'est ça me saute vive m'a pensé niel même pas encore vivre li c'est à partir de septembre 2021 et jusqu'à 6 février 2024 là que moi vinn à réapprendre, m'a vinn plus bien comprendre, m'a vinn plus bien cerner que aucun haïtien pas diriger Haïti. Donc c'est la communauté internationale qui décide de tout. C'est pas volonté. Nous devons enseigner depuis des années en tant que professeur d'histoire, m'a enseigné et la mainmise de l'international sur Haïti,
et certaines fois réussi dans coup yo, certaines fois li échoué, etc. Et le international là échoué non en coup en Haïti. Maintenant moun sa li met ton boule rouge devant parce que debout elle échoué non en coup en Haïti, moun sa met ton boule rouge devant. Yo échoué en 1891 pour te annexer Mol Saint-Nicolas pour te devenir un territoire américain avec Antenor Firmin qui était ministre des Affaires étrangères sous gouvernement Hippolyte. Américain met ton boule rouge devant non Antenor Firmin. Et bah là, contre-heureusement, 11 ans plus tard, Antenor Firmin prend le candidat à la présidence. Les États-Unis organisé, planifié l'échec Firmin. Côté, il prend le fait non Alexis, fait un coup d'État. Qui pas même intéressé candidat à la présidence parce que c'était confortable comme général l'armée. Un ancien chef section qui vient devenir général l'armée. Nous c'était confortable dans poste côté le DEA et yo planifié, yo organisé, yo poussé monsieur à le faire un coup d'état le 17 décembre 1902, les renverser et boire un canal, les mettre tête le président le 21 décembre, yo fait parlement, ambassade américaine intervenue directement, fait parlement ratifier le coup d'état de Noah Alexis et yo fait échec affirmé parce que Firmin était échoué dans l'annexion du Mall Saint-Nicolas en 1891. Dimension ça c'est pour ça m'invite au même mais nous pas faire hypocrisie avec mon yo. Non, pour une question en direct. C'est là qui est non, non pour me répondre une question en faut comprendre parce que bagaille nous voulez. Nous voulez mon yo comprendre dynamique globale là, c'est ça. Je vous rappelle mais ça c'est dans qu'on kembe nous attente. Et puis l'émission a continué, nous n'avons pas tout le temps devant nous. Voilà. Est-ce qu'on croit véritablement, tant que M. Jean dit, oui, est-ce qu'on croit Ariel qui a retiré nous dans sa nouille là? Pour nous continuer. Je ne suis pas aussi affirmatif, même Jean avec M. Fresnel, pour la simple et bonne raison, moi parler avec trop de monde qui est à l'intérieur du pouvoir, qui me connaît trop de problèmes qui présentent. Donc, pour Ariel arriver résoudre le problème qui est là, il faut le composer avec d'accord. D'autres. Donc, plus ouverture. Donc, maintenant, on va pas le venir parce que là, c'est aspect ça me devait garder. Donc, qui ça qui est Ariel là, c'est là même. Qui ça, ce qui est le chita. Parce que, tu as un certain temps, tu as quoi que reste mandat président Jovenel là pour qu'on finisse, puisque c'était choix président Jovenel Moïse là. Donc, il était dans la logique et du président. Donc, mandat présidentiel là. Mais après ça, ça vient tomber, il vient dans logique de accord. Maintenant, demain, c'est pour le fin accord pour un peu le monde. Donc, selon vous, qui théorie, qui logique, même question en tout pour mettre en Dallas, qui théorie, qui logique qui a expliqué présence Ariel Henry dans tête administration de l'État au-delà de la date du 7 février 2024. Bon, faut nous pas répondre au premier degré. C'est une question très compliquée. Oui. Un, vous avez la communauté internationale qui gagne objectif qui gagne mission pour Haïti. Et là, vous nous élaborer pour nous comprendre. Ok. Et mission d'où, c'est échouer nous. Échouer les Haïtiens. Pour appeler la théorie qui te fait comprendre que nous sommes incapables de nous gouverner. Ouais. Parce que nous sommes des nègres, des noirs. La théorie des Gobineaux. OK. Ça, c'est un. Deux. États-Unis d'Amérique profiter de. Ça me dit, on balot tiré dans le pied Ariel. C'est son talon d'Achille. Avant même que monsieur va dire monsieur l'assassinat de Jovenel Moïse. Ouais. C'est l'homme maintenant qu'il faut pour les Américains. Non, c'est des bagailles. C'est Haïtien qui dit ça. Blanc, beaucoup j'aime parler sur ça. Bien sûr que oui. Blanc pas parler de ça, mais Blanc, le Blanc a le dossier. Le juge besoin arrêté, puis il dit c'est. Ouais, on va comprendre ça qui a passé là. Ça qui a passé nous là. Allez, le juge besoin arrêté, c'est avec ça qu'il n'a pas utilisé. Oh, Ariel vu non pion dans le meilleur. S'il dit à gauche, c'est à gauche. S'il dit à droite, où est-ce qu'il a passé je dis, il y a bien une sanction. Est-ce que tu as dû bailler sans sanction? Parce qu'Ariel a fait travail. Ok. Et là, il y a des gens qui pensaient à Ariel qui a démissionné. Bon, on mettait Ariel en défi. Ah bon? Mettez en défi. Ça qui passe. Parce que Ariel, nous avons un talon d'Achille. Blanc besoin d'utiliser. Le jour qu'on ne peut pas servir, on va arrêter. Donc, et tout haïtien. Oui, c'est ça que nous avons.
tout haïtien ouais si Ariel veut servir la cause d'Haïti là bla arrêter Haïti s'appelle bravo même haïtien nous abat bravo que arrêter Ariel deux ça qui passe t'as nous d'acheter que Ariel gagne assassinat Joseph Moïse. Si, ouais, blanc vle a yel sorti là. A souè a wapwe, yon ordonnance qui sorti qui blanche a yel. Alors, si vous voulez sorti là, alors dit là. Si vous voulez sorti. Non, sorti. Dans primature. Ok. Dans poste, dans fonction. Si vous voulez dépal, c'est ça. Si vous voulez dépal. Pour les services rendus, même bien, vous êtes gratifié. Là où c'est grâce, vous louez. La maison de Raoul Cédras pour 2 à 3 millions de dollars par an, alors que son cas qui partait 23 000 dollars. Acheter, tu as acheté 300 000 dollars, oui. Il y a 2 à 3 millions de dollars chaque année. Donc, pour service rendu. Donc, ça veut dire, si je bien comprends, non. Pas rien, ni légitime, ni légal, ni logique, ni théorie qui expliquait la présence arrière là, autre que la puissance américaine. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc, nous, si on donne s'en sortir à soi, après, il a blanchi monsieur, et puis il a fait monsieur, monsieur allez, en douceur. Mais si c'est monsieur qui osait, de sa propre volonté, puis dit parti, il a arrêté. Et donc tout a pas de bravo l'arrêté. C'est ça, oui, la politique haïtienne. Depuis qu'il avait servi la cause d'Haïti, ok, il mettait au service de nous, un petit dossier sous deux là, un mec qui n'a pas profité, ou désobéir, et puis. Mais bonjour, non, partisan, monde qui. Il parlait des accords quand même. Il parlait des accords là quand même. Bien sûr comme que quoi, oui. C'est un bagage. C'est un accord, mais pas oublier que la nature a horreur du vide. Pour même à quoi il est tombé là? Bien sûr que à quoi ça finit demain si veut. Parce que tu dis 7 février, la pétro président. Donc à quoi ça c'est fini là? Mais, qui, pas qui l'ont passé. Qui mécanisme on va mettre en place? Nous même dans la bataille, nous va nous gros temps sur comment remplacer. Donc la nature a horreur du vide. Mm-hmm. Tout vide est appelé à être comblé. C'est ça qui arrive là. C'est peut-être. Ou complexité. Par contre, tu as complexité. N'a pas tourné. C'est peut-être la fois où on a parlé, mais on a dit que c'est une tête libre. Donc, quelle est le point de vue? Donc, est-ce que vous pensez gagner une logique, une théorie, on brin de légitimité qui peut-être qu'a fait qui dit ah, Ariel qui a joué sous ça pour le côté? Bon, moi-même, ça m'attendait. Et que parfois, quand on a posé peut-être une question, est-ce que nous comprenons de qui ça a parlé? Et Ariel Henry, attendez bien, les illégitimes, les de facto, les inconstitutionnels. Donc, pas de débat sur ça. Après Ariel Henry, tout, si l'élection n'est pas organisée, les gens viennent, l'ab de facto, l'ab inconstitutionnel, l'ab illégitime, tout, même bagaille. Parce que, pour qu'ils aient fait illégitime, on ne peut pas joindre toutes les forces politiques viennent composer, viennent accepter. Pour qu'ils aient fait inconstitutionnel, parce que la Constitution dit comment pour un monde vienne président, comment pour y vienne premier ministre. Donc, cela sous-entend quoi? À quoi là? C'est pas demain si Dieu veut, non? À quoi a tombé? À quoi a tombé longtemps? Bon, qu'est-ce que je veux comprendre? Non, l'installation du nouveau président selon l'accord 7 février, mais qui est pour l'élection organisée, c'est depuis au mois d'octobre. C'est depuis le mois d'octobre pour tout le monde. Okay, si quoi a tombé déjà, bien sûr. Si la date pour l'élection est organisée, l'élection par arrivée organisée, eh bien, l'accord là, il est tombé déjà. Maintenant, qu'il y a, c'est les acteurs politiques. Moun qui dit, yo c'est acteurs politiques. C'est eux-mêmes qui pour dire qui ça a fait, qui ça a voulu, comment ils comprennent la question. Hein? Maintenant, et moi m'a regardé fort très mal des monde que m'étais capable de faire confiance et qui connaît élément mais toujours ça dit là le poids de la communauté internationale dans tout ça. Donc au lieu que yo chita pour yo composer, pour yo dire donc mais comment nous souhaiter tel bagaille fait? Parce que il faut un complot.
évidemment. Un complot inter-haïtien. Mais cette ouverture, on va parler, maître Ndalas, peut-être ou cas, peut-être oublié, mais est-ce que Montana va bay ouverture ça? Accord Montana, est-ce qu'il pas offrir ouverture ça à côté nous tous te cachita ensemble? Mais attendez, non. L'autre doit parler de Montana, qui va ouverture ça. Comment comprendre pour Montana fait un accord Ariel Henry, premier ministre en poste, et puis il retire Ariel dans l'accord qu'il fait là? Oui, parce qu'il y a un sacrifice qui mérite. Hein? A un sacrifice non, tandem, ou pas capable. Tandem, ou vous négocier avec moi sous pouvoir que vous avez même. Vous faites accord avec un monde qui a un problème avec lui. Vous pas faire accord avec mes amis. Aussi, Ariel est au pouvoir. Ariel est adversaire. Ça veut pour faire quoi? Donc, en ce sens, je dis que nous avons péché. Son bail monnaie. Ou pas qu'à faire pourquoi? C'est avec moun qui a un problème là qu'on doit entendre. Montana a échoué, mais Ariel pas fait succès là. Puisque oui. Ah non, tout le monde d'accord. Ariel pas fait ça. C'est évident. Ça saute aux yeux. Mais qui pouvoir réel Montana a gagné pour l'écarter au monde qui a un pouvoir réel là? Donc, c'est que même si bien la démission, président. La démission, c'est un acte volontaire. Oui. C'est un acte volontaire. C'est clair. On vous dit, vous mettez les pieds, vous mettez les pieds, et puis vous venez arrêter. Pour venir arrêter pour me bon zam pour venir arrêter. Donc bien content c'est au cap dit ça et puis pas Ndalas parce que mon yo connaît position pour Ndalas te cap plus ou moins prêté à équivoque, mais là c'est purement analyse qu'il a fait. Oui. Mon yo comprendre et lecture compréhension n'a bail sur ça. Mais est-ce que cela veut dire que c'est les forces en présence qui pas à la hauteur qui fait Ariel Henry là? Si. Et tout accord de fait, il faut faire avec lui. Parce qu'il détient le pouvoir réel. Ok? Naturellement, il était capable de faire un acte de grandeur. L'aller, même s'il allait volontairement, il n'y a pas tel. Mais il y a un autre problème encore, M. Frisnel. Par exemple, là, puisque nous sommes le 6 février, oui. Le Jean-Claude Duval est levé vendredi matin. Il a un discours, là, il a passé, il a diffusé sur la télévision nationale. Là, il dit, le remettre. Et pays à bail l'armée. Mais tu as l'armée pour te remettre lui. Voilà. Comme institution. Comme institution oui. Régalienne. Institution fondatrice de l'État d'Haïti. Mais je dis à la. Il y a des gens qui doivent apprendre ça très mal, ça me dit. Opposition, par exemple, qui était sous président Jovenel Moïse, qui est en face président Jovenel Moïse. Au moins, il y a un petit bagage qui était présent, même là, c'est des bagages qui ne sont pas trop potables, etc. Mais au moins, il te dit. Il parle dans le cours de cassation, il te présente au maître Mécène à un certain moment. Mais il y a des débats qui ont été présentés. Ou pas remarqué, monsieur et dame qui a demandé pour monsieur Ariel Henry qui était primature. Il n'y a pas de gens qui disent que ça a fait parce que c'est une équipe l'impelote. L'impelote. Alors, sauf dans le cas Montana qui est président, qui est premier ministre. Voilà. Voilà. Qui c'est qui c'est. Bon, pas carré, le mot encore. Qui c'est on entend entre amis. Même là encore. Qui c'est on entend entre amis. Même là, oui. Mais il est éclaté. Même là encore. Éclaté. La valasse de son. Famille la valasse pour l'autre bagaille l'a fait. OPL. Bien sûr, là, ils avaient. OPL a le sillon l'autre bagaille. Si je dois la valasse à Ariel, je dis là. Ariel. Ah, bien sûr. Qui sont bien sûr. Comme moi-même, je ne suis pas souffert de tripotage. Qui bagaille là, mais ça me dit. Mais mettre du tout lui-même, il a plus de liberté passée. Non, il a parlé. Mais est-ce que mon Dieu risque de dire là, matin, je vais parler Ariel, parce que j'aime la présentation là, dans le sens que. Ah, ouais. C'est analyse, pas oublier, mon Dieu, il a compréhension. Par exemple, moi-même, nous allons aller loin pour nous venir prêts, pour nous tomber côté nous là, parce que parfois, au cas de mon on bagaille pour même qui c'est vérité, pour même l'étiqueter. Aucun problème. Et me parler avec eux. On va la carrière tout? Non. On va me parler avec. Non, pas me connaître. On va contact qu'un dragon c'est n'a pas bip bye et depuis 86. OK. Et post 86. OK. Donc, même là il y a le conseil de sage m'a contact avec lui. Donc nous là, nous est pour du paix, nous tant de ça. Sauf que mon budget vient avec des notes discordantes, il fait mon quoi des bagages qui paraît qui pariel. OK. Ben au pariel. Quand il y a des accusations monsieur de Ariel, c'est des bagages au premier degré, ça se ne te donne pas parler au premier degré. Au premier degré, ouais, donc Ariel est un irresponsable. OK. Donc incapable. OK. C'est une nullité absolue.
Donc ça au barrière. Mais vrai responsable, me dit c'est la communauté internationale. Ah, c'est l'ami. Et c'est là pour tout le monde aller. C'est là pour aller. OK, et sous Paris tout peuple dans comme ça. On accuse la communauté internationale. Nous fait commencer à accuser Haïtien. Comment gourmer avec un adversaire qui pas en présence. Donc il se fait représenter quand même par Bahone, mais bataille mounyo pour eux même bataille avec l'international, c'est bataille carrière. Oui. Donc bien sûr, c'est ça fait après qu'a mis des parles là. Ça oui. C'est le premier degré. Oui, le premier degré. La mais... vraie bataille c'est l'adversaire, c'est pas réel. Et ça fait une sorte pareil de complot, un complot inter-haïtien, entre haïtien et haïtien. Vous connaissez que lors du coup d'état de 91 et à Governors Island et les présidents Aristide Chita ont côté, ils mettaient non, par exemple à Oulaville, et puis ils mettaient Cédras. Et toi, j'ai vu. Ils n'ont pas accepté Chita face à face. Parce que quand ils disent démocrate, ils ne pas comprendre qui entend ça face à donc, les Cédras sorti la veille à Port-au-Prince. Il bat un message. Tout le monde crie pour Cédras. Oui. Monsieur dit, il ne va pas mettre pouvoir à président Aristide. Mais l'arrivée. Le bois, les aïe par la caisse, les baïe commission, les ouvriers de Varissi, on dit Aïssi d'où, c'est gaz d'où son éclair d'où, oui. Et puis, ça Aïssi d'où, c'est gaz. Il a changé, ok? Il a changé. Donc, il a changé comme si on n'était pas fait, alors que c'est gaz sorti pour les premiers pouvoirs. Tout, on n'est pas quitté Haïtien, si tu es avec Haïtien. Ouais, par exemple, à chaque accord que vous faites là, et soit on fait, et donc, il y a le fâché pour le parler, soit l'autre a dit, bon, même pas parler. Donc, voilà, c'est comme ça la communauté internationale maintenant. Parce qu'on a étudié l'haïtien. Avec ça, on est psychologue. Et il y a manipulo à bien sûr, pour manipulo. Oui, bien sûr. Il a étudié nous. Il a comme fait Bessou. Premier fait Bessou, nous, et même pouvoir. Donc, Ariel fait un peu le temps. Ou d'abord, son bail. Oui, et dans toute histoire, nous-mêmes. Et Genèse histoire, nous, international a toujours utilisé nous comme ça. Par exemple, on fait dans fin. Période coloniale là, le Rigaud à Toussaint a affronté dans colonie. Maintenant, délégation qui sont en France, qui viennent négocier avec Toussaint comme représentant des Noirs et Rigaud représentant des Mulattes. On dit ça ouvert. Yo bail Toussaint en information et yo dit Toussaint c'est ou même métropole la reconnaître qui chef boy ici. Et c'est où doit régner sur toute colonie. C'est où la France qu'on est, oui. C'est où la convention qu'on est, c'est où le directoire qu'on est, c'est où il y a une légitimité de la métropole française. Il y a allé dans les sud, comme ça on dit Rigo, Rigo c'est mulat ou c'est blanc, on pas qu'on pour obéir à Tineg Noé. On doit obéir à monsieur. Cela veut dire il y a c'est il y a une pratique même. Donc, de l'international. Et nous toujours dans pratique ça. Évidemment, c'est la danouille. Où qu'on est la Comontana par exemple. Et est-ce qu'on connaît moi-même participer dans rédaction à Comondana ou pas comme ça? Non, bien sûr. Pendant m'a participé dans rédaction à Comondana et moi gien des bagages que m'a proposé qui plus ou moins semblaient des bagages révolutionnaires ou bien de changement radical. Par exemple, j'ai proposé pour le conseil électoral provisoire que chaque département voyait un monde dans le conseil électoral là et sans salaire. Mgen moun ni commencer par la avec yo ici que me connais gen de solide formation dans question contentieux électoral par exemple pasteur Irene Louis etc. Bon l'aime dit même pas la mettre Fresnel genre de moun que me connais capable et deuxièmement moi dit pour la formation de comité de contrôle faut que chaque département voye un moun aller à Comondana pour les parler de conseil électoral si vous voulez accepter que chaque monde sorti dans le département. Le n'a pas les deux à Comontana, il dit bon, on a fait un bagage inter-haïtien. Pourtant, il y a chargé blanc. La Constitution 87, oui, là, on dit ça. Oui, pourtant, il y a chargé blanc. Il y a chargé blanc, il y a mal composé avec vous. Et c'est sous blanc, il y a compté qui pour retirer Ariel. Et c'est blanc qui dit après retirer Ariel, vous mettez, oui. Parce que là où vous venez avec Akwa, vous avez tout pour vous. Vous avez blanc dit, m'a retiré Ariel pour mettre. Et vous pensez blanc dit Ariel l'autre bagaille tout. Dit non, ouais mon ça yo, ou pas gagner en faveur ou pas même occupé ou pas occupé de. Cela veut dire le complot inter-haïtien nous arrive dans carrefour que pour nous ta faire.
Donc, ou connaît blanc dans Ariel et blanc li gon blanc tout qui doudi dans Montana si, gon si, blanc doudi dans l'autre si. Et pourtant même blanc qui rencontre là li dit Montana on causé il baye Montana espoir il baye une famille Laval là espoir il baye OPL espoir il baye Moïse Jean Charles espoir et li dit Ariel rete là on va faire ronde des portes. Maintenant c'est la communauté internationale qui divise et à ses intérêts personnels. Donc et n'après question mieux plus pas trop personnel, il y a plus pour débat, pour nous garder parce que nous même une émission pour me faire avec M. Fred Vesnel Jean personnellement en Dallas, très certainement si il y a un peu de bagaille pour éclaircir, donc c'est ça l'autre, mais émission ça me devait le rester sous date 7 février. Mais bonne garde là on vient jouer Guy Philippe qui vient raviver et béton. Ça veut dire Ariel te gon boulevard devant pas de manifestation presque donc même Moïse Jean-Charles là. Donc là on vient jouer Moïse Jean-Charles qui en quelque sorte veut en sorte font en sorte de renaissance. Donc qui ça doit comprendre des acteurs ça? Est-ce que demain nous ka boyo nan même nan Guy Philippe non bon manifestation demain c'est 7. Va bien c'est tout ça n'a dit là n'a pas retourner sur factuel là. Est-ce que nous pas que pour nous Guy Philippe avec Moïse Jean-Charles yo chaque dans tête on m'a connait m'a pas dit manifestation parce que Guy Philippe c'est révolution et puis et Moïse plus manifestation. Est-ce que nous pas que Moïse c'est même révolution tout. Et même révolution tout. Donc est-ce que nous pas contre pour deux forces révolutionnaires ça ou pas contre et puis faire ce pas qui nécessaire pour éclipser Ariel. Bon et En politique, la politique parfaite est immuable. Ok. La politique parfaite en ligne droite. Et parfois, l'une encombre brisée. Mais moi, après, mes diagouts, j'ai dit que la politique unit, la politique divise et la politique réunit. Ben, Moïse Jean-Charles, comme ancien Lavalassin, quand il y a des bagages personnels qui reprochent à Guy Philippe. Et pas oublier tout que Guy Philippe sont en mouvement la Valasse. Ah bon? Ah oui. Ouais. Des hommes c'est qui ont collaboré. C'est commissaire de police la Valasse. Des hommes qui ont été nommés à l'époque commissaire de police, c'est des conditions. Ok. Donc Guy Philippe est divisé avec eux. Et Guy Philippe censé un pion qui est retiré. Ou même dit pion, je ne sais pas si c'est ici. Parce que pourquoi un mouvement depuis 86 qui retire un chef d'État. Okay. C'est la communauté, oui, c'est la communauté internationale. Ah bon? Ok, bien sûr. Donc, naturellement, ils utilisent nous comme des pions pour eux, pendant la soulever contre mon nom et puis résoudre le problème personnel. Ok? Pendant que la bagarre là, eux-mêmes, ils résoudent le problème personnel. Donc, si Moïse Jean-Charles et Guy Philippe, yo connaît au gon un ennemi commun. Vous avez entendu? C'est ça la politique. La politique, c'est un rapport de force. Donc, c'est même bien, par exemple, maintenant, c'est évoqué le problème colonial tout à l'heure, pour faire du 104, ouais, c'est union deux groupes antagonistes qui fait lui. Nous n'avons pas de 40 avec nous là. Yo finit pas entendu pour réaliser un rêve commun. Mais Guy Philippe, mais c'est pour me douter que Guy Philippe, pas plus ennemi que ennemi de Ariel que ça. Ah bon? Bon, cher, sois en sérieux. Guy Philippe, c'est pas tant. Nous voyons jeune la guerre. Guy Philippe, pas GNB, et puis Ariel, pas bénéficier de GNB comme membre du conseil des sages. Qui va l'accrocher. Guy Philippe, le premier ministre. Guy Philippe, pas tant Jovel. Ariel, pas ministre Jovel. Eh bien. So, bon, si Guy Philippe a reproché, c'est Jovenel qui a reproché. On va demander comment. Absolument. Eh bien, ce qui gouvernement a arrêté Guy Philippe, il a marqué extradé. Puis extradé, il faut qu'on sauve conduit. Ok. Il faut que justice haïtienne, il faut que le gouvernement haïtien baille lui. Donc on a livré Guy Philippe. Ah, si tu as reproché, c'est Jovenel qui a reproché. C'est pas hier. Naturellement. On ne doit pas te mettre à même que conjoncture pays, conjoncture qui a vivre là, ok,
tout le monde prisonnier dans la carola. Son coup qui est invivable. Le peuple a plongé dans le désespoir. Et ces derniers bagailles pour quitter un peuple plongé dans le désespoir. N'importe qui qui a venu là, un sauveur. Ok. Donc Guy Philippe a plus ennemi. D'ailleurs. Sauf que peut-être. Et il a voulu, ça me dit, deux blasons. Ok. Donc ça nous reproche là. Pour nous, au moins, pour nous pardonner le petit péché. Des petits péchés catholiques ont dit péché véniel, péché mortel. Donc, péché qu'il faut commettre là, donc pour nous reprocher et pour nous pardonner lui, il t'a fait un coup. Mais Guy Philippe n'est pas un ennemi, c'est bon ennemi vraiment. Et pour qu'une révolution soit possible maintenant dans Dallas, il y a des conditions pour une. Bien sûr. C'est pas la volonté d'un monde. Ok. Il y a des conditions pour réunir et c'est sur la condition sine qua non. Des conditions sine qua non qui pourraient unir pour qu'une révolution possible. Quittez ça, les grandes dames, nous, matin, nous sommes d'accord, faire débat, émission, répondre à l'invitation. Et puis, je suis content de faire plonger historique. Je suis content ça, parce que c'est pour ça. Malheureusement, pour deux propositions. Heureusement. Donc, Maître Ndalas, dis-nous, non, est-ce que, comment on est 7 février 2024, demain, si Dieu veut? Dit son jour n'est pas tant que tout l'autre jour, comment ouel? Non, il n'est pas tant que tout l'autre jour, parce que il y a deux rendez-vous qui ratent là-dedans. Et c'est que octobre, dernier dimanche d'octobre, tu es supposé gagner l'élection qui est organisée pour renouveler le personnel politique et du même coup. Donc, alors, sous base à quoi? Institutionnalisé, donc rendre opérationnel toutes les institutions démocratiques, notamment le Parlement. Donc, c'est un choc national. Depuis le 13 janvier 2020, Haïti levé sans Parlement. Il y a un Parlement qui est plus ancien qui existait dans l'Amérique là, et que Haïti n'a pas gagné depuis le 13 janvier 2020. Donc, c'est un choc, je veux dire, démocratie a campé depuis le même jour à tout. Il faut nous clair sur ça. Parce que l'existence même, l'exercice de la pratique démocratique en Haïti lié directement à l'exercice du pouvoir parlementaire. Donc depuis le Parlement n'a pas existé, maintenant, ou pas capable de cour de cassation, ou pas capable de renouveler le mandat des juges de la Cour des comptes, des contentieux administratifs, ou pas capable de voyer aucune mission diplomatique à l'extérieur, parce qu'il faut qu'il soit ratifié par le Sénat de la République. Ou pas capable un budget national là qui c'est plus gros loi qui vote chaque année la loi de finances qui doit voter par la chambre législative qui est la chambre des députés. Maintenant c'est un choc que lié. Deuxième rendez-vous qui raté pour en fait de octobre en fait à moment qui raté c'est demain hein, l'installation de nouveau président élu sorti des élections. Maintenant et moi dit pas qu'à un jour ordinaire. Alors, président a dû depuis 2022 ou bien depuis 2023? Non, président... là, moi, je suis dans le cadre de l'accord. Okay, donc, okay, pas okay. Garder notre considération parce que le président t'a monté demain, si Dieu veut. Et si nous avons été dans la logique constitutionnelle là, et que l'étape demain, si Dieu veut, t'a tout fait arrêter un an dans le mandat. Yeah. Mais comme étant donné, t'a toujours un décret électoral qui t'a harmonisé, t'a un accord. Et on a des hommes qui t'a dit bon, mais qui ça, etc. Considérant, etc. Maintenant, demain, pas qu'un jour ordinaire, demain, doit y avoir un bagage qui dit. Ça qui doit dire, hein, il doit premièrement, et continuité, ensemble d'échanges qui ont existé déjà. Moi, j'ai fait en Jamaïque, j'ai qui fait encore en Haïti, avec l'arbitrage de la communauté internationale qui sont erreurs graves bah ouais pour qui ça l'église catholique mais est-ce que l'initiative bah, même est-ce que l'initiative bah, pour même pour qui ça fédération des barreaux bah ouais pour qui ça fédération des églises protestantes pas capable de jouer rôle et facilitateur ou bien arbitrage entre les acteurs politiques il y a besoin CARICOM il y a besoin des monde qui pas même maîtriser les grands dossiers de la Caraïbe les grands dossiers de l'État et ces monde ça qui viennent nous leçon c'est des bagailles qui toujours nous même en tant que citoyen donc on pensait que c'est demain t'as supposé obligatoirement gagner la reprise des assises entre les acteurs politiques
pour questionner tête sur 7 février que était supposé gagner un président. Mais pas grand Kensin qui montre ces vers ça nous parler comme quoi pas grand chita parler qui fait demain nous connaît mon appelant marche et chez monsieur là dans la report du paix. Ou pas qu'à jouer rien pour acheter là actuellement là la ria vide si ma chaîne pas dans la ria donc et mais ça c'est dimension pour les politiques ou t'as pas abordé avant jambé soumettre gens pour regarder qui genre la ria vous pensez la ria a gain mouvement quand même oui normalement capable toujours gain mouvement mais il y a des mensonges tout à travers mouvement faut que nous pas bail OK donc faut que nous pas dit mon yo que donc n'a fait mouvement pour nous renverser Ariel et pour nous renverser ceci renverser cela pendant ce temps nous connaît très bien donc le poids de l'affaire nous connaît très bien côté Paléaï et nous connaît très bien tout mais nous connaît ça ne café ça ne pas café par exemple moi j'ai des monde qui plaignent et j'ai des petits machins je dis monsieur passé yo prend affaire yo etc etc c'est déplorable donc on a besoin d'arriver là m'imagine si c'est moi ma voix qui était dans l'émission en plus de question t'a posé oui bien sûr t'a préféré ou dans l'émission que de contre faveur yo donc tu attendez yo pour te dire ça te coûte mais Jean dis nous et comment la journée demain mettre dans la souhait c'est un coup t'a dû un gros shit à parler t'a dû même grande adresse à la nation si bien comprendre mais Jean qui fait très certainement pas premier ministre hier là quand même oui. donc dis nous non Jean comment la journée demain est-ce que et il capable un jour ordinaire de même aussi et il ca un jour qui gagne gros événement tout est capable possible. Et événement ça allant jusqu'à quel niveau à débloquer toute bagaille. Pas départ. Qui Philippe a annoncé la couleur. Qui doit hier pas faire 7 février. Autant de monsieur Bessap même. Oui, Bessap. Qui quittait le plateau central qui était mon cabinet. À son branche. Il fait 40 avec un autre prince. On ne pas au prince. Il a débouché son guerre civile. Que nous pas souhaiter. Que nous pas devons souhaiter. Vous t'attendez que docteur Ariel Taïwe, l'armée, on te dit pas de rentrer sous scène. Ouais, des dispositions que la direction de la police prend. Pour faire des interventions. Nous, sauf pour les pecs, pas gagné. Intervention musclée de la police. De la police? Non. Tout, hier, c'était un bagage très convivial, mais la police, pas même mon cas. À port de paix? Non, à port de paix. Oui, à port de paix. Mais si on attend des tigouas, on attend des reins, on attend de l'autre côté, gagne des bousailles. Bon. Mais Guy Philippe, c'est un ancien militaire aussi. Ancien militaire, monsieur. Il faut une formation militaire. Donc, comme militaire, sans doute, il est un stratège. Militaire, par contre, l'armée, n'importe qui, même États-Unis d'armée, autant de plus gros puissance. Les pays bataille en Irak, il part d'où qu'il est pour nous. Son coup saisi, bon, à surprise. Oh, c'est un homme à tout qui peut faire une guerre. Même j'aurais la Russie qui. Armé nucléairement, ok. La Russie, il va frapper l'Ukraine malgré les États-Unis. Dit la frappe est telle, le démenti ça, le démenti, c'est pas vrai. Et puis à l'œuvre, la surprise joue un grand rôle. Nous, par contre, d'ici cet après-midi, d'ici ce soir et demain matin, qu'est-ce qui a produit? Gameback qui a produit que nous pas souhaité, ok. Donc, ça fait nous, donc demain cas ordinaire suivant et capacité. Donc, naturellement, et il est difficile pour négocier avec Ariel. Les accords que Ariel fait, ces accords ne sont pas respectés. Ouais, et dernier accord qu'il fait, c'est celle au conseil de transition. Il montait. Il va changer le cabinet ministériel. Il va prévoir faciliter réussite, monsieur. Mais on dit, monsieur, non. Je dis, monsieur, non. Donc, c'est pas de son propre chef qui n'est pas respecté à quoi. C'est lui qui a créé en face une opposition.
C'est pour créer une opposition, c'est pour nous diviser davantage. Et d'où ça nous dit là, il faut un complot. Entre haïtien, entre haïtien, haïtien, il y a un démocréon, m'a dit avec vous, blanc pas qu'à comprendre ça n'a pas donc c'est Chita parler ça hein, qui est nécessaire, qui est obligatoire. Qui est nécessaire et obligatoire. Pour nous reconnaître le vrai ennemi. Mm-hmm. Qui est-ce pour une initiative ça? Il suffit que il y a tant de nous là, qu'on nous capte depuis qu'on met en pratique. Non, mais problème là actuellement. Premier Ariel Henry dit à m'longer même déjà baio. À Komuntana dit à me faire ça déjà c'est pas répondre. Donc tout le monde pensait au fond. À Komuntana ton petit genre trop exclusif. Et Ariel. Et accord Ariel fait des accords qui plus ou moins ouverts. Ah bon? Sauf que il a élargi. Mais ouais. Et une tendance côté que la faute capitale du monde, comme tu dis tout à l'heure, c'est parce que en face, on va inviter. Ou pas qu'il n'y a pas qu'un premier ministre pour demander pour le mettre au pouvoir. Sans pas au final. Mais c'est une proposition, M. Jean. C'est une proposition, on prend des discussions de l'accord. Il n'y a pas fait rien, il n'y a pas fait casse de ça à Kayel même. Hein? Pour ils sont pas proposés à elle comme président. Ils ont quitté le départ et ils continuent avec elle. Ou proposer jusqu'à la Jamaïque, ils ont quitté la présidence et le premier ministre. Ok. Non mais est-ce que nous pensons Ariel Henry doit être uniquement parce que c'est lui là ou bien parce qu'il a fait un bagage? Pas dit c'est lui pour être là, il faut négocier avec lui. Il a dit pas plein, m'a fait mettre en Dallas. Mettre en Dallas, c'est grand point. Il t'a fait ce point à l'heure. Alors ça m'a dit à l'heure, c'est que et complot n'a parlé. Est-ce qu'on est le plus facile pour les gens qui sont en opposition, ils font complot que Ariel. Bien sûr. Il y a plus de liberté que Ariel. Ah, voilà, Ariel n'est pas maître de lui-même. Par exemple, je ne connais pas souhait confession sénateur Beaublanc. Non. Non, elle dit que Jovenel Moïse est aussi au 95% dans le pouvoir. Ah, il va jouer. Alors, il va jouer. Il n'est pas vrai. Tandis que l'information, en fait, il n'est pas 100% vrai. Il n'est pas tout ça. Mais, et c'était pour son malheur, oui. Mais. Attention. Mais à tout ne compte lui. Attention. S'il acceptait. Bah dis pas que le premier ministre. Bah dis pas que 95% c'est faux. Non, pas que. Voilà, c'est la. Bah c'est 95%. Bah c'est que ça 95% c'est à tout bout et suivant en fait tant que si on gagne la primature, et dit s'il acceptait le premier ministre sorti dans opposition hein. Par contre, tu comprends, non? Alors, c'est sous ça qu'elle garde le comme 95%. Mais attendez, c'est parti. Jamais dans l'intention de Jovenel. Oubliez, on a quoi qu'a fait à l'annonciature pour mettre au premier ministre. Et puis, je... C'est pas de liberté. Jovenel pas de libre, Maître Djoudjou. Jovenel pas de libre, d'où? Il pas de libre. On se dit là. Oui. Jovenel pas de libre, pauvre diable. Même bagaille. Et... Il pas seulement de l'international comme monde qui était après Cyril qui pas d'accord. Mais les forces internes, Michel Martelly, Laurent Lamotte, voilà. Etc. Il n'y a pas de Michel Liberté. Oui. Là, par exemple, pour prendre le Premier ministre Ariel, tout le monde considère comme dernière volonté de Jovenel Moïse. Dernière volonté de Jovenel Moïse. Ariel. C'est pas Ariel. Ariel a été imposé. Par contre, vous comprenez. Donc, opposition a plus de liberté. Merci. Il est capable, comme toujours, Alchita avec Ariel, et yo négocier ça pour yo négocier. Par exemple, tout problème qui fait pas faire dans l'élection avec Ariel, c'est un problème de méfiance. Est-ce qu'Ariel va prendre l'élection en bas et qui plie? C'est ça la méfiance. Maintenant, si ou à l'intérieur du pouvoir, toujours ça, oui, toujours bien ça. Par exemple, vous dites que vous parlez dans l'élection avec Jovenel Moïse, c'est méfiance là. Je dis à là, c'est méfiance là qui gagne. Pour penser qu'un climat qui pas propice à l'organisation des élections en Haïti. Quand il y a plus de problèmes, il fait élection. Mais c'est la méfiance qui pose. Le problème capital, Ariel, pourquoi j'ai manifesté la volonté d'organiser les élections? Premier pas qu'il faut mettre le conseil électoral. Non, pas oublier. Le conseil électoral là tout mettre pour mettre force en présence là. En fait, méfiance là. Climat de confiance, vous voulez établir. L'inan CEP a tout, oui.
ou pensez qu'on va monter CEP, ou qu'on va monter CEP, à quoi vous venez, ou évitez une élection avec vous, et vous que ça monte CEP. Je ne vais pas une conscience ça, mais ils mettent au conseil électoral quand même. Mais ça, bon, l'impression que des élections sont... Il périt avec elle. Ok, bien sûr, il périt. Le processus là, bon, impression, voilà. Un, deux, si nous voulons faire ici, là, il faut changer la constitution. Donc, peut-être ça climat nous gain là, il pas propice au changement de la constitution, mais il faut faire pas capable, il faut faire quelque chose. Tenez, où est moun qui prend pour changer constitution là, où est moun qui dans la rue? Ariel ta main constitution là, pas pays a pas flamé net, oui. Attendez. C'est toute la république, bon, qu'il y a ouais grand monde qui peut construire absolument. Pas Ariel pour moi constitution. Il faut un compromis, il faut un consensus. Voilà, c'est compromis pour bon ça. Voilà, c'est qui démarche qui fait pour le compromis. C'est ça, oui. Faut pas avec pas au fait, nous allons qui direction veut aller, c'est ça le problème. Ok, Ariel pas fait ça. Non, mais il faut le compromis d'abord pour faire pas ça, c'est dans logique. Exactement, il faut. Attendez. Ou bien est-ce qu'il fait pas pour aller vers le compromis? Attendez, président. Monsieur Jovenel pas tiré, on balle dans pile. Comme plusieurs en tant qu'il fait avec opposition, ils violent. Ou pas que tout le monde a dit que c'est son menteur. Oui. J'ai été nommé par Saint-Thérèse. Si mon petit monde l'école, a dit que c'est un menteur. Ok. Bah, maintenant, l'arrivée, l'engagé, il doit. Ouais. Moi, je me rappelle dans la lecture courante, on a toujours dit au feu. Il a toujours couru à aider. Et ouais, c'est pas vrai. Depuis les bons du fer. Le bon du fer, après le fait, qu'on ne sait jamais toujours. Mm-hmm. Mais c'est exactement. Donc, malgré l'offre que je viens de faire opposition, il n'y a pas de quoi ou encore. Exactement. C'est ça que pose la jeune. Tout accord que fait, les accords ne sont pas respectés. Ok. Donc, il y a peur pour aller pas balo. Faux bon. Ok. C'est ça la situation. Hein. C'est ça la situation. Maintenant. Donc, selon vous, Médjan. Et Premier ministre Henri pas créé un climat confiance suffisant confiance. Pour permettre mon nouveau venir. C'est exactement ça. Mais qui ça le cas fait maintenant? À faire appel à un monde qui, par exemple, un adversaire politique pour former le conseil électoral. Par exemple, qui monde qui a fait consensus ça là? Qui est-ce qu'on t'a mis? Regardez qui est l'adversaire que Monsieur Grand Facile là. Et nous prenons par exemple, il prend Fridjan. Ouais, il dit Fridjan, ok, ou bien charge. Pour choisir et moun qui a fait un consensus pour faire un conseil électoral. Alors, il lui-même, c'est juste en nomination, c'est pas, il va avoir un poste forcément, il faut dire. Non, c'est en mission. En mission, ok. En mission. Même j'ai, par exemple, Madame Manigala, son mission est gagnée. Mm-hmm. Oui, mais tout le monde reste à ta couverture. Pourquoi ça n'a pas de résultat et nous avons cherché? Parce que la résolution qui mettait Madame Maniga dit clairement que Madame Maniga son conseiller. Mm-hmm. Mais attendez là, c'est pour qui ça ouvert? Le conseiller que vous consultez, mm-hmm. lorsqu'on vous consulte comme conseiller, c'est pas obligé de mettre en application Sodia. Mais c'est ça le point. Bon, nous avons fait débat avec M. Maniga. Madame Maniga ne détient pas de pouvoir réel. Nous qui détenons le pouvoir réel là, c'est Dr. Ariel. C'est lui qui a le pouvoir réel à la main. Madame Maniga son consultant en plus. Consultant! En plus, c'est même par exemple, le président il faut le dire. Le président gagne pour attendez, une consultante sans salaire. Non, OK. Ah oui. Ajoutez à cela parce que okay. Ajoutez à cela. Madame Maniga pas chambre besoin ça. Voilà. OK. Donc là président, la constitution dit par exemple pour nommer pour le premier ministre, le président consulte le président de l'Assemblée des députés et le président du Sénat. Consultez, mais il pas obligé prendre mon nom là. Ya. Est-ce qu'il n'est pas constitution? Oui, constitution, et puis il norme. Yeah, il norme. Donc, le vœu de la constitution est respecté parce qu'il ne consulte pas. Et c'est World, ça, que Maman Niga dit. Là, il conseille ou partait. Donc, Dessalines avait plusieurs secrétaires. Oui. C'est un vieux débat avec les parlementaires, tout ça, sur question de okay. consultation. Donc, la décision que Dessalines a pensée, c'est ça qui va. L'intérêt pas. Moi-même, ma propre encore pour me dire que. L'opposition politique est plus à l'aise, le plus confortable pour entrer dans un compromis. Est-ce qu'on connaît si l'opposition accepte d'entrer dans un compromis avec Ariel, tout bon, blanc à craser? C'est tout ça. Non, mais, craser, okay. vous répétez ça plusieurs fois, Maître Dallas. Bon, mais qui articulation ça va dire qu'après?
matérialisation comment elle pour que on bagaille qui mettait opposition à l'aise on bagaille qui mettait premier ministre Ariel Henry à l'aise pour d'accord pour avancer qui Jean pour articulation en fait Jean pour le fait c'est premier bagaille là nous connaissons souvent acteurs pas veulent dire nous ça a rien comme problème ou là il y a posant l'autre en fait ils présenteront l'autre problème les problèmes réels là ils sont réels ce gouvernement vous changez du cabinet ministériel par exemple monsieur il a tout opté pour le ministère de l'intérieur ministère des affaires étrangères justice. Ministère des finances ministère de la justice les quatre ministères régaliens tout acteur mettez mais yo voulez ça yo voulez non yo voulez et par exemple que des manifestations ouais là c'est comment dire ça c'est exercice ma prouve ça me vaut sous mon intérieur me vaut intérieur oui c'est ça lié démonstration de force oui c'est montrer ma poutre ça me vaut c'est rapport de force là m'a exercé donc ou qu'à comprendre le un acteur politique a parlé de lui souhaiter que son révolution qui pour faire. Et là, elle fait échange avec Ariel. Et c'est drame dans ça. Il dit non, mon cher, on connaît moi-même, c'est ministre de la justice que je voulais. Parce que, 1, 2, 3, 4, mais qui ça. On connaît moi-même, j'ai une expérience, je voulais, qui ça m'a fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, etc. C'est ça que là. En réalité, bataille là, Ria, c'est bataille salie, bataille régalienne. Bien sûr. Ça a toujours été et ainsi. Toute négociation, yo, Ariel Pavlé décider libérer certains ministères régaliens. Et yo même yo, et logiquement, le premier ministre, président, pas capable ba ou ministère de la justice, li pas capable ba ou ministère de l'intérieur, li pas capable ba ou ministère des affaires étrangères, li pas capable ba ou contrôler ministère des finances ou kakaze pays. Gen des ministres là dans le gouvernement qui était monté dans le cas d'accord en septembre. Mais pas oublier dans quelle logique où il est là. Non, là dans le non logique de faire pour que les gens à l'aise. C'est bloqué, il court bloqué contre le ministère. Par contre, on est sur par exemple dans le nord, où tu as des chèques, 30 millions de gouttes, 20 millions de gouttes, il y a un kazek. Par contre, tu comprends, non? Qui l'a mis bien traité kazek comme ça? On a fait gros chèques ça, oui, il y a kazek exécuté pour le chèque. Par contre, tu comprends? Cela veut dire que ministre t'a exercé, t'a exécuté. On l'ordre qui te sorti dans un courant politique bien déterminé. Et ça, c'est ministre en parlant encore. Et ou pas, jamais ouais gros chèque, ça y a, je viens de casser quelqu'un de côté. C'est bloc, il est obligé de bloquer contre ministre. Oui. Donc, tout cela pour vous dire, on propose ça. Regardez, non. Sens proposition, regardez, hein. Par exemple, là, on pense, regardons les acteurs, par exemple. Il y a des ministères que là, nous avons travaillé, moi, Jean-Charles, Guy Philippe, ma pas les monde qui vivent dans la rue. Non, ça nous va mettre Guy Philippe là-dedans parce que il est gênant. Il est gênant. On a parlé de Maurice Jean Charles. Comme acteur politique, il pas on parlait de Maurice Jean Charles, on parlait de famille Lavalas, les PL, etc. Non, nous pas mettre Guy Philippe. Guy Philippe, c'est parce que nous c'est expression de dégénérescence. C'est l'effondrement moral de la République. De l'État d'Haïti, de la société haïtienne. Donc, c'est l'expression même de capable de dire de la perversion qui fait que nous avons échange avec Guy Philippe au centre des débats. Non! Donc, parce que Haïti, que nous connaissons, tradition pays, culture pays, valeur que nous-mêmes haïtiens, que nous toujours poursuivons depuis avant même l'indépendance, Guy Philippe n'a pas dans le débat, non. Parce que Guy Philippe est mort civilement. Faut nous clair sur bagay ça yo. Donc, n'a parlé là, nous dit yon accord socialement ressuscité. Yon configuration politique au niveau du pouvoir qui peut ta fait que terrain a plané et que tout le monde accepté à participer dans l'élection parce que c'est tout débat c'est ça lié. Ariel inconstitutionnel, il est illégal, faut que l'aller définitivement. Mais pour l'aller, il faut quand bien même organiser des élections. Parce que moun k'ap vin après elle, moun nou vle met après elle là, moun n'ap même bagay avec elle. Maintenant, que nous entendons pour nous organiser des élections, et puis Ariel s'en va, et puis des élus arrivent. Mais configuration, j'en m'en démenais, c'est
permettre à ce que tout le monde gagne ministre, toute l'année tout le monde non, les grands ténors. Parce que les grands ténors de l'opposition. Moi fait pendant on va tenter faire ouverture là, même ou même tout dans tête tout montrer obstacle là tout, dans sens que vous dit aïe pas faire ça yo, parce que il y a tellement important. Or nous dans logique pour nous sortir pour un dénouement, peut-être ou bien mettre gens raison. Parce que non logique on dénouement, est-ce que vous certain que ça a bon résultat besoin? Donc si le bon résultat besoin, donc pas gagne trop cher véritablement. Non, par exemple. Non, un carrefour qui excessivement de cap dit qui exceptionnellement compliqué. Qui excessivement difficile. Pas mal qui facile là. Et pas grand monde qui dans l'élection qui gon pouvoir légitime comme si me gado équipe de campagne ou a besoin satisfaire. Pas gain ça. Maintenant, tous les sacrifices sont possibles. Parce que ce pays n'a pas parlé. Maintenant, c'est vrai, il n'a pas parlé des ministères régaliens, que le président n'a pas parlé, le premier ministre n'a pas parlé. Mais ça, c'est dans une situation normale, là, dans une situation exceptionnelle, à espace différencié, stratégie différentielle. Maintenant, tous les coups sont bons. Yeah. Et dis-moi de toute bagaille capable de faire. Donc, on pense qu'il aller même jusqu'à ministère de justice. Oh, bien sûr. Bien sûr. Non, mais tu as tout clair, nous, les gars, on va mettre un code dans le pied. Il est capable. Ah bon? Il est capable. Moi-même, selon ça, je saute vivre et je vis jusqu'à présent dans le cadre de fonctionnement de l'État. Maintenant, Ariel a suffisamment de contrôle pour n'importe qui est ministre de la Justice, ministre des Finances, pour le contrôler. Mais Jean, est-ce qu'on ne croit pas qu'il y a des gens qui sont sincères dans l'Ariel, là, qui croient qu'ils ne veulent pas poste véritablement, mais qui veulent que Ariel ne pas faire, mais il faut aller, pas gagner le cabaye là pour eux-mêmes pas gagner un café à Ariel. Est-ce qu'on ne croit pas qu'il y a des gens qui véritablement sont sincères? Bien sûr que oui. Et, alors, on va parler des acteurs politiques. Suivant à l'analyse, soit fait au premier degré, au premier degré, on préfère Ariel aller. OK? Analyse au premier degré. À la au premier degré, après monsieur irresponsable. OK. Le grand Simon qui a créé un grand goût. Mais c'est pour sortir chercher manger pour lui. C'est ça lié. Oh, Ariel comme le pater, le père, je veux dire. Ariel censé être insensible à grand goût Simon. Grand goût Simon, c'est le peuple là. Donc là, par exemple, mon problème là, il n'est pas capable là. Ok, c'est Ariel qui veut résoudre pour moi. Alors, il faut une volonté politique. Au premier degré, après, c'est Ariel qui va être volontaire. Mais là, parler au fond des choses, nous, c'est pas Ariel qui a le problème. On nous prend le cas de. Comment dire que policier, pour l'IP. L'actuel? Non, avant. Et on va parler de. Dans quelle période? Non, pas Bruce. Oui, Bruce, merci. Bruce Mitchell. Ouais? Quand il y a un résultat pour du pain, il faut aller échouer dans Timoni. Ok, il faut aller mourir, je ne vais pas dire échouer à tout faire. Un échec planifié. Bien sûr, il faut aller mourir dans Timoni. Peut-être que M. Servi Golo a goût bagaille. Et l'opposition de face. Et l'international. Pourquoi dans la cour, pasteur? Bien sûr que oui, il est là. La cour existe. Donc, aucun haïtien n'est pas capable de faire. Mais j'aimerais mes coups pour faire une bonne fin d'émission en support de paix sur Nord-Ouest. Donc, Tibra Dom et climat et sécurité, on sorti dans la cité mal prendre dans le sens que moi. Et premier ministre était font sortir sur Tibra Dom dans le sens que il montrait que problème nan il commençait à atteindre selon oui, lui-même oui selon lui-même mais dans même époque ça c'est pas selon lui-même selon rapport selon rapport que gagne mais maintenant semble pas de aucun rapport vrai parce que tu as rapport tu es gombesse. T'es gon baisse. Non, à l'époque, t'es gon plein moun nan men moun yo. Notre problème est ici, à Port-de-Paix, dans le département. Problème pas nous. Nous, on vit, c'est Nord-Ouest qui est Tibadom n'est pas dans le Nord-Ouest. Mais c'est nous qui souffrons. Bien sûr que vous souffrez parce que c'est là pour passer. Mais il n'est pas dans le Nord-Ouest. Vous pouvez demander le directeur de la police ou de la police de Port-de-Paix pour résoudre le problème Tibadom. Naturellement, il y a demandé des collègues de la Tibonite. Pouvez ranger sous lui là sous besoin et ben mon cabinet d'eau. OK, mais lui-même de son propre chef il pas capable à y résoudre problème petit bois d'homme pas dans Nord-Ouest. Non mais qui intérêt un directeur police qui n'a
l'Artibonite mettant Dallas gagner pour le venir intervenir. Exactement, et ça me dit oui. C'est pour une raison qui fait que bon, bam livon impression, peut-être nous pas de connaître. Et ouais, c'est Paul Ménard qui devient installé directeur c'est tout. Vous pas de connaître ça. Non, pas de connaître là. Cela veut dire le même jour que Paul Ménard installé dans jeudi dans l'Artibonite, c'est-à-dire demain, c'est lui-même qui vient installer directeur. Il y a une façon pour te commencer à coordonner la question de Tibouadom. Parce que Tibouadom, c'est vice-délégué arrondissement Gomon. C'est magistrat Gomon. Vice-délégué arrondissement Port-de-Paix. Magistrat Bassin-Bleu. Magistrat Chansol. Directeur police. Pourquoi quand tu m'as dit Gomon qui est victime de Tibouadom, non? Voilà. Alors, qui habite Port-de-Paix? Directeur police Nord-Ouest. Directeur police Artibonite. Voilà. Commissaire gouvernement Artibonite. Et Gonaïve, bien entendu. Commissaire gouvernement Port-de-Paix. C'est eux-mêmes qui sont capables de chita sur le dossier Tibouadom. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre le dossier Tibouadom, non, remettre le département Nord-Ouest là pour le résoudre. La victime de lui, c'est vrai, mais solution, il doit une solution concertée entre le département de l'Artibonite et le département Nord-Ouest là. Maintenant, le et PM n'a été fait tweet là. Qui ça pour moi-même qui vient passer? T'as semblé c'est le. Et la police t'est fait raid. Non, arrimage dans un point. Un point? Oui. Oh, il faut arrimage dans un point. Parce que c'est coup t'est fait en l'air dans au bande rond. Évidemment, yo connecté. Yo capable vin et combiner yo. Mais c'est raid qui fait dans un point côté yo font arrimage. Oui. En pile lecté. Soit une soixantaine moun yo t'est prend et dans soixantaine nan, on croit que t'est gagné yo joine 19 dans yo. Qui a des connexions avec Tibouadom. Il m'a rappelé que j'ai laissé le rapport ça. Dire que la police là, vous y allez, et puis sous base que problème n'a commencé à résoudre. Le problème n'a arrêté là. Mais bien entendu, tout le monde connaît le problème Tibouadom. Il faut que moyen dans la ville Port-de-Paix, dans la ville Gouman, dans la ville Bassin Bleu, dans la ville Chansol, dans la ville Gonaïve. Parce que c'est dans la ville que vous n'avez pas dans la section communale. D'ailleurs, il y a un camp de retranchement au niveau de Tibouadom. Mais pour qu'il y ait voilà, mais c'est dans la ville que vous voyez. Bon, moi c'est que mais ça dit ça c'est peut-être ça que tu as dû faire son j'ai gagné des tentatives qui t'a fait avec délégué Sonny Dodoy et puis travail avec deux monde sur département Artibonite langue des opérations qui t'ai commencé bien succès. Donc on sent si premier ministre Ariel Henry peut-être l'a tant un succès là pour qu'il ça pas prendre leadership là pour que pour unir département pour essayer bailler petit moyen qui l'Artibonite pas de gagner délégué, il fait gagner délégué. Il pas de gagner délégué. OK, donc ça veut dire non. Et donc, sous président Jovenel, il y a un avantage pour te gagner délégué. Évidemment. Il y a une intense communication entre délégué Dodoy avec l'actuel délégué départemental. Okay, c'est une femme. Okay. Maintenant, je pense tout, et deux directeurs départementaux policiers, yo gèlè bay a planifié. Alors moi pas parole yo. Oui, mais oui, j'ai oui, des infos. Oui. Gèlè bay a planifié. Moi m'a mené là pour moun yo. Et moi crois que yo a en phase très 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 avancée en termes de logistique. Parce que c'était pour plan et pour attaquer Tibouadom, mais il y a un plan déjà. Il le faut des moyens aussi. Mais les moyens. Moyens. Il y a besoin de blindés pour faire pénétration, il y a besoin de blindés pour transporter. Il y a un hélicoptère, tout. Il faut la bombe de Tibouadom. Drone. Ça me dispose comme information, il y a en phase très, très avancée. Donc, mais ça, par exemple, il y a un monde qui a kidnappé et qui a gagné dans ce moment, c'est Guy Thomas Sénat. Il a fait parler nous sur ça. Il a dit nous clairement. Côté lié à gen moun ka vann papa dap gen moun ka ça veut dire Jean Labdecre la fota dit c'est pour nèg qui non on zone qui détachée de la population ça veut dire c'est à l'intérieur de la population mais tout monde il même dit gen nèg qui fait ça avec yo fait mettez mon cache pour lui donc ça veut dire c'est pas des monde qui est connu non c'est des monde qui dans communauté a donc mais qu'on y a là moyen que y a besoin pour mobiliser donc c'est là en peu le monde dit Ariel va résoudre le problème non c'est une solution détaillée nous ouais Ariel c'est réponse Ariel par le résultat c'est on va au premier degré réponse politique ah autrement dit c'est politique. Non parce que mais c'est lui qui est responsable c'est exactement c'est lui ouais non mais c'est lui qui est responsable lui qui accepte jouer là ah ben ouais c'est lui qu'il démissionne
S'il pas voulait yo dit ça. Combien fois m'dou pas qu'a démissionné. Mais je comprends là donc combien fois m'dou pas qu'a démissionné. Donc les arrivés c'est pour démissionner. C'est volonté pas. Ya démissionner. Si m'dou go talon d'Achille. S'il démissionner qu'a payer conséquences. Est-ce qu'on songeait et émeute de la faim avril 2008. 2008 sous Préval. Oui, sous le Préval. Sous Préval. C'est émeute ça pour aller renverser Jacques-Édouard Alexis comme premier ministre. René Préval, des sources diplomatiques sûres, décide de démissionner comme président. Yeah. Oui. Donc, à son ouais, on a fait, peuple a été fait sous palais. Préval, entre la Kaili, lui dit madame ni, a démissionné. Monsieur, il a fait appel à ses proches collaborateurs, dit Dio, m'a démissionné. Et monsieur Relé, ambassadeur américain, pour le dire, l'a démissionné. Une semaine après, nous allons en réunion, la caille président Maniga. Mais pas démission, vient pas parler encore. Et bien, le président Maniga, mais, quand est toute information qui fait quoi que René Préval l'a démissionné? René Préval ou premier ministre? René Préval. Il dit Dallas, mon cher, qui doit un président haïtien à l'heure actuelle pour l'appeler l'ambassadeur américain pour dire l'a démissionné? Dis ambassadeur pour d'où pour démissionner? C'est lui pour offrir ou la démission. Ou pas qu'à mettre devant le fait accompli. Les ambassadeurs des grandes puissances ne veulent jamais être mis devant le fait accompli. C'est eux qui pour offrir ou la démission. Il y a pourri situation dans main et là ils vont décrire ils disent bon il faut trouver un moyen pour solutionner le problème de ça eux offrir aux démissions mais ou même elle porter démission en bas il y a retourner en dedans on pas capable démissionner et il y a d'autres sous démissionner il y a déterré inventé tout dossier drôle qui gagnent pour mettre sous dos donc pour arrêter parce qu'on pas rien droit ça donc mais tu on te connait bail cop dans poste péage là ou C'est pas côté carénage. C'est pas zone que ou pas fréquenter souvent. Très souvent. Mais non. Si mon cas l'hôpital, la pointe peut-être est déjà passé. Mais heureusement ça a pas trouvé. Heureusement madame. Donc mais dis non ouais événement yo donc c'est un plus gros choc qui fait là sur ville bord de paix renversement poste péage là dans la mer population endiablé enchaîné ou lagué poste péage là donc ça fait nous arriver là c'est long même non pas pour longue véritablement parce que c'est arrivé parce que ça pas bien planifié on poste de péage devait gagner un objectif et puis légalement son seule institution qui a appelé à percevoir les taxes. Ouais. La DGI. Seulement la DGI. Donc c'était seulement la DGI légalement. Légalement mais et la mairie dit yo t'es dans voilà yo. Ah mon cher, pas capable de mentir. Comme côté ça fait en Haïti. C'est seulement la DGI qui a habilité. OK, donc la mairie de Port-de-Paix c'est capable de prendre décision, il fait DGI et collecter taxes pour lui. Ah bon? Un, deux. Si c'est au cap collectif, chaque jour, il faut porter comme dans la DGI avec un rapport pour qu'on va être déposé sous compte et à la BNC. Ok. Donc, ça, légalement, il n'y a pas. Un, deux. Population est capable d'accepter. Et population a dit, ah bon? Même, ou dit, parce que si, mais pas rangé. Tel côté, pas fait ceci, c'est là. Tel, ok. Tel pour pas fait tel côté. Avec comme. Donc, il faut un objectif, ok, on a une vision, ça n'a pas dégagé dans l'accord que vous faites, puis on fait poste de péage. Et puis on poste de péage, c'est-à-dire, et là, pour un taxe, on contribuable. Là, pour un taxe, il faut que ça ne lésé, pas non. Imaginez, par exemple, on dit chaque passe au passé, on paye $1, on a $2. Ça t'a passé comme une lettre à la poste. Mais là, pour par exemple, on chauffait moto, il montait, il retournait, faire payer encore. Il remontait, faire payer. Ouais, ça a commencé nuit, mon mieux. Voilà pourquoi, donc, par exemple, on réaction brutale. Et les chauffeurs moto à payer. C'est pas les payer, mon cher.
ça que le consommateur final. Et si je t'ai passé à avoir 10 dollars, puisque je ne peux pas payer, je ne peux pas payer 20 dollars. Et c'est comme là, pour permettre de payer, pour ne pas savoir, pour ne pas être empalaisé, sinon je ne peux pas caminer. Ok, c'est comme ça qu'on met des taxes. Ça a été un petit genre et tout. Le taxe a été un petit genre trop violent, trop brutal. Ok, un, deux. Mandé moun ki sa kob la pa le fait yo pa ta gon on bay médiatique. OK, une campagne médiatique pour dire mais chaque semaine par exemple mon rapport mais ça rentre pour préparer l'esprit mon exactement moi après même de l'école primaire les ponts devant loja nous les ponts Saint-Louis qui sont pour en boîte et il casse chaque vendredi yo fait nous porter 50 centimes. Tout élève l'école la ville là pour des 50 centimes chaque vendredi après-midi. Dans l'école là. Dans l'école là. OK, pour construction pour on sait pas c'est pas l'état fait. OK, chaque vendredi après-midi 50 centimes. OK. On me dit en primaire à peine 6e 5e et les ponts casés. Au point vient fait parce que le 4e secondaire Kaipia. 4e secondaire, c'est une laisse à pont fait. Ouais. C'est 50 ouais tim le pote 50 comme somme si ça va ça pas trop nuit ouais c'est trop nuit donc c'est ça que ça on fait taxe chaque taxe. Semaine non t'es baillé chaque semaine OK chaque semaine pour faire pour ça mon dieu on dit comme donc chaque semaine OK 50 comme tim papa on baille 50 comme là à l'aise pour tim pour l'école là donc c'est peut-être monsieur pas bien conseillé les prendre décision. OK. Moi même par exemple ma Paris et quoi c'est un petit 14 euros toute la semaine. Transport. Tout, oui, toute la semaine vous montez et autobus ouvert, vous montez train ouvert avec avec la carte. OK. Vous sortez 14 euros pour la semaine comme si il vienne pas rien. Donc une fois un fardeau mon a prévu. Exactement. Donc mais maintenant là, c'est ce que vous pensez notre cap nous on attendre que et sacrifier là, il t'a pas le fait véritablement et gens et finalité à fait là. Bon, il fallait s'y attendre sauf que il fait tout tard. Qu'on est c'est ça. Il fait tout tard. Mais information vient joindre apparaît que moi elle crasé trop tard. Il est trop tard. Oui, information vient joindre. Après ça fin fait. Ah non, comment vous le connaît. Parce que je l'ai crasé. Il pas crasé son monde est crasé alors. Ah oui, faut quoi chercher qu'on est qui ça qui était dans clause pour le démonter ou là dans accord prospéage là. Al garder, aller chercher qu'on est qui est qui t'a bien évidemment. Quelles sont les parties parce que qui prospéage là pas crasé. Qui était d'accord sur sous base prospéage là a rançonner mon non? Non jamais. Si tout bagay yo te respecté entre eux, très entre eux. Prospéage pas ta crase mon cher. Ah bon? Non. Donc c'est les parties ont désaccord entre les parties. C'est des insatisfactions qui exprimées et puis qui crasent. Oui encore. Bien sûr. De désolidariser. De désolidariser de la mairie. Aller chercher information. Mais ça saute aux yeux. Non mais alors, tout cela pour vous dire c'est encore état de dégénérescence même de l'État. L'État pas qu'à percevoir taxes et puis pour des mondes, pour des individus, des particuliers insatisfaits. Non, taxe l'État. Ça pas qu'à fait. Par contre, tu comprends. Sous insatisfait dans taxe l'État, c'est la corruption pure. Pas de débat sous les. Qu'on fait insatisfait. Maintenant, c'est DGI qui l'a pour prélever taxes. Mairie capable de prendre arrêté pour le prélever taxes. Mais attention, il y a des précisions pour le faire. Et sur le plan social, sur le plan communautaire, il est supposé démarrer des activités et pour l'accomplir avec taxes. Si, par exemple, les canaux. Voilà, où est Saint-Louis du Nord? Où est poste de péage qui était gagné Saint-Louis du Nord dans le temps? 2008, 2009, 2010, etc. C'est le grand où il a fait une fête. Ou là, qu'il y a des rues, ça le relève en fait. Secondaire. Des rues Saint-Louis. On passe devant le collège Sigma, c'est le relève des rues. Des rues, les mêmes hypoco. Il n'y a pas de projet qui était pour grand rue. Eh bien, magistrat, là, il commence des rues. Il fait un coup intelligent. Là, il commence des rues d'abord. Et puis, il dit tout le monde, j'en ouais, grand rue à belle là, c'est comme ça, des rues à belle tout.
Mais moyennant, nous avons poste péage, c'est là pour nous jouer une COB, pour nous continuer des rues que nous commençons. Effectivement, c'est avec COB et dans poste péage là, que des rues arrivent faites. Et même, on partit pour monter à l'analyse et la menée. Donc, c'est avec COB, COB là le fait. Donc, moi-même, le citoyen à l'USMA, il souffre un déficit de légitimité grave. Nous tout comme ça déjà. Poste péage là, pas un mauvais bagay en soi. Mais c'est le monde qui prend l'initiative là. C'est le premier bagay. Deuxièmement, c'est insatisfaction qui vient gagner en dans l'initiative là et qui crase le poste péage là. Et moi-même, je parle avec des monde que bon, a toujours des positions qui sont impopulaires. Moi tout à fait contre poste péage la crasé là, mon contre. Contre. Totalement contre. Parce que poste péage là, bon, ou on a un autre bagage encore. Poste péage n'est pas poste péage seulement lié. Lui c'est on mesure de sécurité tout. Par exemple, on regarde bah yo te mette yo, on bagage non technique yo et gros bout doum yo. OK. On moun ka fin fon exaction en dans ville là. Et puis sous gain police campé en haut et t'a relé ou dit gon machine qui est en traverser cap traverser mon père mais c'est grâce à ba ça qu'on ka rent en barrel parce que pas oublier commissariat Saint-Louis du Nord c'est non bon lié et nèg la gen droit depuis nèg la rive Saint-Louis du Nord li prend direction en sa folleur ou pas connait qui moyen gen pour traverser en sa folleur mais maître Dallas et poste police la arrêté c'est poste péage là yo gars yo m'a montré ensemble de Bataclan, c'est dans poste là que yo retiré bien entendu. Tu veux dire retiré symbole là net. Tu veux dire question bail poste dans zone là écrasé net. Yo casel. Pendant ce temps, bon parti qui était capable quitter pour la sécurité. Je veux dire capable gain tout problème contre l'USMA, poste péage là, il pas pour l'USMA, il est pas appartenir à l'USMA. L'USMA que doit aujourd'hui à la paix fait comme là dedans et cetera et puis dans même logique fait comme là tout. Gon ensemble de monde qui connaît ou te gain pour te faire comme, yo pas fait comme, yo pas joindre comme, manger te connait bail, la police yo pas bailler encore et cetera. Bon, ou qui c'est moi qui a bonne information, chercher formation pour connait comment poste péage là casé. Mais bon nous mettons dans là, c'est étonnant parce que les mouvements ça fait là et des images ou même ou dit quitter peuple là et quitter peuple là et revendiquer pour me répéter textuellement sort écrit oui et alors là ou compte ça ou montrer ou compte ça une grande information ouais ça me dit une information pas encore gagné OK oui oui ou dit ça déjà gagne information qui veut c'est moi même connais c'est des monde qui senti aux victimes véritablement de la présence du poste de péage et puis il dit au pral casel c'est après les tout ça c'est pas pour de fausses informations monter ban moi non me garder yo et me garder attitude chaque acteur et me dit oh OK même à l'intérieur de la mairie même il y a des monde qui étaient d'accord pour espérer la craser parce que pas fait comme bruit ça veut dire c'est pas rien de pays de communauté de région qui a réglé dans question ba écraser poste péage là c'est insatisfaction donc dans rentrée c'est le problème là donc c'est un pays difficile, extrêmement difficile. Moi-même, j'ai un problème capital. À chaque fois que je passe à la rue du Massé Estimé, je dis non, émission pour dire que c'est un cas perdu. Oui. Non, je vais quitter ça pour en privé, pour nous parler. Il est parlé en privé pour des personnes qui ont perdu. Je ne vais pas prendre trop de temps là. Personnellement, nous, chaque TK. Non. Comprenez. Comprenez. Où du autorité dans la ville? Pour passer dans la rue du Massé Estimé, à partir du côté Kessa, c'est écœurant. La rue du Bassin s'est perdue. Ah bon? Même bien, comment est ministre? La ministre de la Justice. Comme si la net que rue du Bassin s'est perdue. Et puis, où est l'autorité de là? Actuellement, là, sous prend la rue Seigneur-Vincent pour Angle, Cafou, Pays-sur-Canal. C'est des cas perdus. Presque! Ou prend et. Vous conseillez le bien. Angle. Vous pensez aller bien, du vas s'estimer. Mais pas possible pour une rivière là. Et puis, vous admettre pour son autorité. Quand vous parlez de long période cyclonique, et puis vous regardez rivière sans rivière, rivière pas de pierre, vous regardez canal et
sont en démélus pour attirer des petits pieds pour garder qui même niveau avec la et pour admettre que c'est autorité pour passer là chaque jour. OK, ou admettre ça ou admettre qu'autorité la rue quoi qui dit une plus belle rue qui dans ville là les m'a pas l'école. Même si il y a appui sur le salon, sur la mouillée, mais pas qu'à ça. Son qui est gravé avec ça. Ah, je dis, il bétonné. Il bétonné. Et puis, pour pas qu'à passer. N'admettre ça, n'admettre son capé du yé. Et une réalisation que le président Jovenel a gagné à l'actif, il y a pour des paix. C'est la rumeur pas qu'on te l'écoute là. Oui, mon père, oui. Asphalté. Mais vous ne pas passer là. Ah oui, oh, son cas, c'est un cas. N'admettre ça. C'est bon, ça. Bon, ma pécate, on va y dire parce que moi, je ne suis pas dit. Devant qu'on s'est tombé, c'est dit là, radio. Oui, oui, pour oui. Pour prendre et le docteur Agabus. Mm-hmm. Ou oui. Comme si nous ne pas... Ça, nous ne pas boucher ça, oh. Ben, on s'accime avec ça pour nous plaire. Sinon, il y a pas de casse. Il y a pas de on a qui que la perdu et puis nos autorités. Ok, donc vous comprenez que si des compostes péage, on dit c'est en vue pour éviter pour tel ou pas pas me casser, pour nous casser et ma matière, la mettre. La population est satisfaite. Ok, donc canalio pour nous curer. Ok, bon, on dit bon, c'est mon capé travailler pour curer canalio. N'a pas mettre ça. 5 secondes d'appui, et puis la. Vous avez noté, n'a pas mettre ça, n'a pas mettre l'autorité. Je te dis, son jeune qui m'a besoin de Stenoni, qui dit qu'il est candidat pour Maïs. Je me dis, pas plus bravo, plus bandit, pas c'est moi. Donc, oui, je ne peux pas dire que c'est moi-même qui. Je dis, oh! Ça a passé. Pour admettre pour un candidat pour Maïs. On peut admettre pour dire ou candidat. Premier expérience, il n'y a pas fait du candidat. Premier expérience, lui. Puis candidat pour magistrat. Mais pour mon dire. Pour mon dire, candidat magistrat, bon, il n'y a pas de même pas. C'est l'ordre du candidat, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une solution au problème. Ok. On me dit candidat à la présidence d'Haïti, ou qu'il y a une solution pour résoudre le problème qu'Haïti a traversé. Ou du candidat pour porter paix, magistrat pour porter paix, ou qu'il y a une solution, ok, ou qu'il y a une solution à tout problème que le peuple traversé. Nous ne connaissons pas, papa, il nous dit encore. Ok, nous connaissons marché à papa dans la guerre encore. Ok, n'admettre, et pour dire ou candidat. Niki, c'est pas essayer. Chaque fois, on me dit. Quel est ça pour rester ton nom, ce n'est là, de dire, ah, je vais la prochaine députation. Mon cher, comme parlementaire, j'ai pas de problème. Parce que le parlementaire est appelé à légiférer. Ok. Comme parlementaire, j'ai pas de problème. Contrôler les actions gouvernementales. Mais le maire là, fonction maire là. Donc, et en quelque sorte, l'émission, ça c'est pour ça nous venir avec lui, parce qu'il y a des débats qui sont dans la tête, mon yo. Il y a comparé avec ça qu'a fait là, mon qui l'a yo. Donc, et sans ce bagage, il a perdu. Et justement, nous venons à l'émission ça pour nous faire rappel ça. Je suis bien content et tirer l'eau sur le fait pour ce jour. Donc, son émission qui a prêté, qui a immortel. Je ne connais chaque émission. Yo. Donc, qui te me dit non, merci. Merci, Maître Ndalas. Merci, Devilas. Merci, Franz. Merci, Maître Fresnel. Et moi, salue présence magistrat Rico et Rico Gustave qui l'a. Donc, moi, c'est un plaisir pour que je me là. Donc, c'est un plaisir pour me regarder et Emma qui devine assister nous. Et c'est un plaisir pour que je participe pour la première fois. Je viens visiter pour la première fois. Studio. Et puis première participation dans l'espace et puis première sortie tout sous média dans média donc c'est une sortie qui a annoncé passé 2 ans son sortie qui a annoncé oui m'a parlé parce que Jean on sait que le monde comprenne que me peut exprimer donc le moment arrivé pour que me parler pour dire exactement il y a quelqu'un qui croit que position yo là on va défendre yo donc et pour pas défendre position c'est si monde pas tendre ça me va chercher et on m'a tinting nous faut pour chercher bah comme de qu'on dit yo pour ca chercher quelle les femmes vont nous émission ça oui m'a vendre yo mais tout pour émission qu'elle doit me tout
Oui, mais du tout, on fait émission face au public sur Radio 4VTS dans l'élection 2004-2006. Donc, tout ce qui a passé là, on t'a déjà dit déjà dans l'émission Mette Juju. Ou avec Mette Serge Renier, tu n'as pas animé l'émission ça. On t'a dit déjà. Ça nous a vu là. Et il y a Mette Kayat qui doit l'émission. Donc, en pile monde. Tout le monde qui fait émission de radio 2010 surtout, tout le monde qui a fait autant d'examens de conduits. Ça, vous devez comprendre, émission matin, ce n'est pas ton émission avec Maître Frister Jean, ce n'est pas ton émission avec Maître Ndala. C'est émission sur 7 février. C'est émission sur 7 février. Et M. Sa, il enseigne sciences sociales, histoire. Seul aspect, nous ne pouvons pas garder dans le 7 février, c'est que, il y a un bagage qui a dit, c'est que au 7 février, il est totalement échoué. Il veut dire, tout, en fait, le post 86, mouvement post 86 là, mouvement 86 là, c'est mouvement qui échoué. C'est ça, m'entendez, Abdi, mais moi-même, position PAM, c'est non. Gede à qui? Oui, en pile. Et nous pas qu'à gagner élaboré sur là, même penser, en prochaine fois, pourquoi nous te faisons une émission sous lui déjà? Et me deviner avec de données chiffrées qui te montrent que il y a un pile bagaille qui fait par rapport à 29 ans dictature du Valais. Il y a une grosse différence. Et surtout, on connaît, il y a parlé de bagaille, puis on montre que bagaille qui fait dans le pays. Il n'y a pas rien qui dit. C'est faux. Il y a des bagailles qui sont réalisées dans le pays. Et bagaille là. Exemple, dans le nord-ouest, M. Djoudjou, avant 86, nous avons laissé tête un gulbo seulement. C'est vrai? Chercher l'école. On est à nous avons presque 30 lycées dans le département. Le monde qui a dit, bon, ça c'est la population qui a augmenté. Mais attention, nous avons 6 millions les en 1980. Les rues, tu es fait en terre battue. Nous avons 6 millions en 1982. Bétonné. Bétonné, mais remblé. Section communale, côté fait. Section communale, côté fait. Là, tu as gagné l'école nationale. Section communale quand même fait la devise là c'était gagne yon l'école nationale qu'on y a gagne 11 écoles nationales. Par contre tu comprends non, il dit pas capable. C'est pas gagne fait depuis là qui sauf que ça pour nous dit que un échec peut-être relatif. D'accord, pas total de même que le succès. Soit on dit succès, car relatif. Na qui je vais regarder. Oui. À qui bouche pas parler. Surtout 38 ans sont 38 ans partagés entre la gauche et la droite. Entre du Valais ici avec monde qui bat du Valais ici. Oui, on est d'accord sur ça. Et actuellement, là, on dit est-ce qu'au pouvoir? Du Valéry, mon cher. Mais Jean dit son communiste. Non, ce n'est pas Ariel. Non, pas oh, la à la tendance. La structure qu'il a. Ok, ok. Tout ministre, c'est du Valéry, mon cher. Ariel, capable de dire communiste, on y a eu. Oui, il va pas. Merci, donc, merci. Comme déconné, on dit. Même ça, tu es style communiste. Bien sûr. C'est Ariel. Ariel, c'est mon bar. Tu vas posséder. Il a un bar comme ça. Je ne sais pas quoi, il ça. On possède des goûts moyens. Merci, merci un peu. Merci parce que nous sommes d'accord pour faire exercice là, répondre avec invitation. Donc, très certainement, mon yo m'konne nous va dire ah, David, là, c'est pas posé telle question, il parle non, il passe pas de ça, buya, moi-même, des gonds chapantés, monsieur, qui m'ont chapanté. Donc, moi, en Dalasté, même quand t'en paye, il dit ah, question ça, c'est pour moi, mais non, c'est pas de tension du tout. Nous devons être relax, nous devons être relax. Nous, ouais, monsieur, ça va gagner pile bagaille pour y offrir. Véritablement, buya, émission, c'est exploiter les ressources que nous gagnons pour nous garder. Pour nous prendre et mettre jambes pour garantir n'a pas pour faire émission ça mais ça ou dire en pile bagaille là peut-être c'est faut retendre encore pour comprendre ce que tu dis. Merci en pile, merci Andalas, merci toute équipe Prendit Choa, merci Fadner Jean-Baptiste, merci magistrat Elrico Gustave qui est en studio avec moi. En parenthèse, c'est pour dire que magistrat Augustave c'est une dans monde qui était et prend décision pour faire bagaille en tant que maire. Moi, on cite de charge. Et puis, drôle de chose, pas qu'une continuité. Parce que c'est lui qui a fait là, il part là, et puis il part continuer. Je pense que c'est des bagages pour nous divorcer avec eux. Okay? Yeah, donc, depuis nous pas d'accord, bagages avec nous. Il faut nous tirer trois égaux. Donc, c'était un plaisir pour nous. Merci, Benjamin. Merci parce que nous t'avons répondu à l'invitation. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Yeah.